bien les gens, nous sommes ensemble pour jouer au meilleur jeu, en tout cas l'un des trois meilleurs jeux de Mensonges et Trahison. L'idée c'est de le faire quand même un peu de façon récurrente, parce qu'on l'aime bien, vous l'aimez aussi. Le Uno. C'est ce Great Monopoly. Le Monopoly, voilà. Lançons des dés, ça va être incroyable. Au bout de la pêche, j'achète. Et donc en fait, donc, l'idée c'est tout simplement, si vous avez des variantes, les gars, j'ai cherché des variantes à Secret Hitler, si vous avez des idées de règles un petit peu différentes qu'on pourrait tester, ça pourrait être sympa, donc n'hésitez pas en commentaire. Et des informations un peu intéressantes à vous donner, les gars. Maintenant, Mensonges et Trahison sera le jeudi. Vous savez que maintenant, il y a eu des galères, on n'avait plus vraiment de créneaux. À un moment, on était un peu SDF des créneaux, le stream. Plus de créneaux live, pardon. Ouais. On était en différé, en fait, le samedi soir, c'était pas fou. Et ils ont récupéré un créneau pour nous, donc c'est top de chez top. Et en plus de ça, une fois par mois, nous aurons un local un peu différent qu'on avait demandé à avoir. On est en direct. Un vrai studio. On est en direct. Hein. Je vois plusieurs gens. Ouais, on est, c'est préenregistré. Ouais, très bien. Non, le titre, il l'a mis dans le live. D'ailleurs, regardez, dites un mot dans le chat et on va le dire. Mais vas-y, attends. On en est là. Tête. Dick, vas-y, je dis que je vais dire tête. Il y a que les deux qui a dit cornichon. Bravo à toi. Putain. Par contre, on a vu choucroute. Encore. Un faux compte. Pour faire genre, on était en live. Ouais. Deux, quoi. C'est un peu grillé, quoi. C'est vrai. Non, en tout cas, voilà. Donc, on aura du coup le studio en bas. Pour pouvoir tourner des vrais loups-garous aussi une fois par mois. Du coup, on pourra faire un vrai loup-garou dans une configuration un peu circulaire. Parce que ici, c'est pas ouf, on est limité à 8 joueurs. Bon, loup-garou à 8 joueurs, c'est pas non plus insane. Ouais, du coup, on va pouvoir être 9 dans le studio. Ce qui est quand même. Tout changé, tout changé. Non, mais surtout, il y a un mec qui va pouvoir se balader un petit peu, prendre les cartes et ça, parce que là, pour faire le tour, c'est un peu tôt. Ah, c'est pas facile. Donc voilà, donc, en tout cas, très content, c'est une excellente nouvelle. En gros, ils auront besoin de ce plateau-là et ça passe du coup le jeudi. Donc maintenant, en plateau sera donc le vendredi. C'est ça. Et Mensonges et Trahison le jeudi. Donc on prend la place dans le plateau parce que, en gros, en plateau, en bas, dans un énorme local, bah, c'est compliqué quoi. Sans zénithal, tout ça, c'est un peu galère. Et au niveau de l'heure, c'est assez simple. Quasiment tous les jeux de cartes et les jeux de société, les émissions de jeux de société sur le stream sont de 14h30 à 16h30. Voilà, voilà, c'est facile à Sauf retenir. Sauf Yu-Gi-Oh! De 22 à. Sauf Yu-Gi-Oh! Qu'on a mis. qu'on a mis le plus tard possible. Exactement. C'est ça, c'est pour toucher évidemment la tranche des Americans, les Koreans, pour que tout le monde vienne sur le live. Apparemment, il y a des problèmes de micro de Olivier Zoulou. Ah, c'est pas grave, on s'en fout. Olivier Zoulou, c'est pas grave, c'est pas important, vous inquiétez pas. J'ai une loupiote verte, la régie. Ça a l'air. Il est dessus. Ah, il est. Apparemment, il est sur Olivier. Je veux pas. Bref, on est parti pour du Secret Hitler. On est parti. Alors, c'est intéressant, c'est que. Rivenzy n'a jamais joué à Secret Hitler et ça, je trouve ça trop ouf, trop cool. En gros, ça fait longtemps que moi je vois que bah, voilà, vous jouez à Secret Hitler, etc. Et j'ai essayé de choper en magasin, mais dis-moi, on fait plus les magasins. J'ai jamais eu l'occasion d'y jouer, mais du coup, très chaud. Toi, on t'entend bien par contre. Ouais, mec, on t'entend en double et tout, c'est. On l'entend carrément dans l'arène, hein, mais en même temps. C'est trop bien. Est-ce que c'est pas un peu un. Ah, c'est con! Parce qu'a priori, le micro de Rivenzy est off alors que nous on l'entend bien. Alors que nous on n'entend que lui trois fois. Micro. Ah, Rivenzy, le micro est. Et pour l'instant. Alors, je vais vous faire la traduction. Rivenzy, du coup, a dit dans son dialecte. Il avait très envie de jouer à Secret Hitler, mais il l'a cherché en boutique, sauf que les boutiques lui ont dit que c'était. Bah, malheureusement, il n'y en avait pas. Donc, du coup, bah, rip. Et oui, donc effectivement, il faut acheter sur Amazon, sinon tu peux pas l'avoir. Bah, désolé pour le problème technique. En vrai, ils vont. Vous savez quoi? On a Risotto Show, ça va être incroyable. Je propose que chacun fasse. Dis le mot test quand je pointe du doigt. Vas-y. Ok. Il a lâché. Vas-y, rive. Mais pourquoi test? Test. Bah, moi ça va, du coup ça marche a priori. Test. 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 Ok. Bah, maintenant, on va pouvoir savoir. Qui va. Je vais tout donner là-dessus. Bon, ils ont pas entendu hein, le mot test et en vrai, ils demandent à tout le monde de dire le mot test. Bref, c'est pas grave. Commençons, je vais cliquer les règles, comme ça laisse un peu de temps aussi à la régie de pouvoir. Voilà. On est parti, je vais mettre ça. En bas, à droite, c'est alors, mort. Rivenzy, donc c'est un jeu qui se joue. Rive Exav, ok. En gros, entre 6 et 10 joueurs. Alors, le principe, alors tu dois t'en douter, il y a les fascistes et les gentils, les libéraux, c'est les salauds, hein, évidemment. Donc, non, en vrai, évidemment, les fascistes, c'est, en gros, c'est les loups, quoi. Le but des fascistes étant de faire élire 6 lois fascistes. Alors, ça a l'air, le mot élire des lois, ça a l'air de faire. Terrible, mais ça n'a rien à voir avec la politique, t'inquiète, il n'y a vraiment aucun rapport. Ça, c'est juste. Ouais, c'est passé, c'est un skin, hein, ça pourrait être oui. Pire qui. J'en ai rien. Ok, les libéraux, leur but c'est de faire élire 5 lois libérales. Ça me régale.
Bah en plus, déjà, en tant qu'historien, ça, en tant qu'historien, ça te fait forcément ça. D'ailleurs, j'ai vu qu'apparemment, ils ont sorti des Secret Hitler skinné Trump et tout, quoi. Mais mais en rupture. En rupture, forcément, à mon avis. D'ailleurs, à un moment où tu construis un mur, j'en sais rien. Quel enfer. Le principe du jeu, du coup, c'est que, évidemment, pour que les fascistes puissent faire élire des lois fascistes, il y a beaucoup plus de fascistes que de lois libérales. À savoir que je crois qu'il y a 7 lois libérales. Il y a 6 lois libérales pour 5 lois qui doivent sortir. En gros, tu vois que c'est la merde, quoi. T'as pas vraiment l'étendue du choix, quoi. L'idée, comment ça va se passer ? Au cours de la partie, eh bien, chaque personne va devenir président à son tour. Tu vas peut-être devenir un moment président. Très bien. Quand tu seras président, tu choisiras un candidat pour t'accompagner à la gouvernance. Ton chancelier. Tu peux dire, par exemple, Zoulou. Tu peux dire, Zoulou, je pense que c'est un bon client. Un bon pantin, il va faire ce que je dis, quoi. C'est ça. Il est de bon esprit, je trouve que c'est un joyeux bureau, j'ai envie de le voter, quoi. Tu vas choisir. Nous, on va pouvoir voter. Est-ce oui ou non, en allemand, du coup, nein et... Nein. Voilà. Nein. On va pouvoir dire oui ou non si on valide ou pas ton chancelier et ta présidence. Ok, très bien. Et si on a une majorité de oui, eh bien, tu passes à l'élection des lois. Si on dit non, bah, dommage, et le président devient le joueur à ta gauche. Très bien. Et lui-même va faire une élection, poser un chancelier. Si tu deviens... Propose un gouvernement, exactement. Un mec. Alors, s'il y a un mec sur la table, bah, il ne salue pas normalement, ça passe son tour. Okay. Donc, t'auras la pile. C'était une blague Je viens de l'avoir, mais personne ne l'avait. C'était une blague un peu salaud pour les Belges. Mais c'est parce que j'ai plein de potes belges, donc j'ai le droit. C'est on dirait. Les bons droits racistes qu'on a mis noir. C'est un peu belge, j'ai le droit. En gros, quand tu prends 3 cartes, donc tu vas prendre 3 cartes devant toi, et personne ne les verra. Il n'y aura que toi qui les verra. Malheureusement pour toi, t'as pris que des fascistes. Donc là, t'es quand même dans une situation un peu critique. En général, ton visage se crispe et on te dit ouais, tu bluffes, Rivenzi, tu vas en prendre une, tu vas la jeter dans la défausse et personne ne doit la voir. Personne ne doit savoir ce que c'est, ok ? Et tu vas lui en donner deux. En lui laissant évidemment un choix, évidemment cornélien. Tu lui donnes ces deux cartes-là. Il a pas le droit de parler quand il reçoit ces deux cartes. Donc là, en général, les mecs parlent quand même. Ils font ah oh, putain. Ouais, parce que j'ai pas le choix, machin. Ouais, pas le choix. On les connaît. Donc là, il en jette une, face cachée, et il en retourne une. Et donc là, il montre que c'est une fasciste. Et là, évidemment, Zoulou m'a maintenant un peu parlé. Et il va dire mais bah, c'est le choix, il va filer deux fascistes. Hein. Et toi, tu vas dire ah non, c'est pas vrai, je lui file une libérale, une fasciste. C'est sûrement un fasciste. Et là, du coup, on va devoir démêler le vrai du faux. Je vois. Et la dichotomie commence. On va essayer de deviner eh ben, est-ce que c'est toi qui mens ou est-ce que c'est lui. L'un des deux ment, probablement. Okay. Voilà. Ou peut-être pas, d'ailleurs. Ou peut-être pas, voilà. Et donc, toi, imaginons que tu as 3 lois fascistes. Tu peux dire bah non, j'ai eu 3 lois fascistes. Alors, nous, on va dire ok. C'est donc, on bizarre. Va dire ok, c'est-à-dire qu'il reste encore 6 lois libérales parmi ce pile. Évidemment, on aura tous fait un tour. Okay. Il n'y aura que 4 lois libérales qui ont été piochées, malheureusement. Il y a fait deux menteurs autour de la table. Donc, le but est de trouver qui a menti, sauf qu'à la fin, il reste. En fait, tu verras que quand on fait un tour, le premier tour de table, il restera 2 lois, en fait. Okay. Qu'on ne piochera pas piocher, en fait. Ces 2 lois-là seront défaussées. Et ces 2 lois-là, ça pourrait être 2 lois libérales si on n'a pas de chance. Oui. Bon. Le but, c'est d'éviter de trop compter et de dire. Il y a plus de menteurs pour être honnête avec toi que des lois libérales à la fin. Oui, parce qu'il y aura 3 fascistes contre 5 libéraux, c'est ça ? Exactement. Il y aura 3 fascistes pour 5 libéraux. Alors, il y aura des pouvoirs, mais ça, on y reviendra plus tard. Globalement, en gros, quand tu es président et que tu vas poser une loi fasciste sur une case, typiquement celle-là, tu vas faire le pouvoir de cette case. Cette case-là, par exemple, c'est regarder si un mec est fasciste ou libéral. Okay. Tu ne pourras pas savoir si c'est Hitler ou si c'est un fasciste random. Mm-hmm. Il va te montrer ça. En fait, ici, on a tous une carte de parti. En gros, t'es fasciste et t'es fier de l'être, parce que tu vois, c'est une tête de mort et tout, je suis badass. Et t'as aussi ton rôle. Donc, le fasciste, il est fasciste. Et Hitler, eh bien, c'est tout simplement son rôle caché, quoi. D'accord. Mais en gros, tu ne montres pas si t'es Hitler ou fasciste, tu montres juste ta carte fasciste. Imagine, je te montre ça, tu sais que je suis. Il y a une chance sur 3 que je sois Hitler. Quoi. Okay. En gros, c'est soit t'es méchant, soit t'es gentil. Et en plus, soit t'as un rôle, soit t'en as pas. Okay, voilà. Les gentils n'ont pas de rôle. C'est juste, en gros, il n'y a que Hitler qui a un rôle particulier. Et comment les gentils gagnent ? Ils gagnent soit en votant 5 lois libérales, soit en tuant Hitler. Parce qu'ici, tu vas pouvoir tuer des gens. Quand tu mets une loi fasciste ici ou ici, tu peux buter un mec. Et ça, c'est quand même pas mal. C'est le président. Okay. En vrai, quand tu mets une loi fasciste là et que t'es président, tu butes un mec. Imaginons, t'as une loi libérale dans ta main, tu donnes 2 fascistes à Zoulou, Zoulou il va juste mettre une loi fasciste, tu fais ok, je la mets et je tue Vittel. Et Vittel fait. Et on va juste lui demander est-ce que tu es Hitler ou pas, ouais. On sait pas s'il est libéral ou pas. On sait pas. Il va juste dire bah je suis pas Hitler. Et donc là, on est en mode Ah ouais, il a dit. Et donc voilà. Donc, okay, très bien. Et au début de la partie, les méchants se connaissent entre eux, ils savent qui est Hitler, Hitler va lever le pouce mais il gardera les informés. Donc en gros, Hitler sait pas avec qui il est, mais les méchants savent qui est Hitler. Ok.
Et dernière chose, les méchants peuvent gagner, une fois qu'il y a trois lois fascistes ici, après tu auras toutes les règles, une fois qu'il y a trois lois fascistes ici, si jamais à ce moment-là, Hitler est élu chancelier une seule fois, la partie, les méchants gagnent. Donc, ils vont gagner trois lois fascistes. À un moment, imaginons, moi, je sais que c'est Xari le facho Hitleros. Comme par hasard. Le facho Hitleros. Deux fois. Toujours plus. Je vais dire, vas-y, Xari, je pense que c'est un mec intelligent et tout, votons pour Xari. Et là, Xari, évidemment, vous l'acceptez parce que voilà. Et là, on se serre la main et on fait, on a gagné. Il sait pas qu'il a gagné parce qu'il sait pas qu'il est avec moi au début, mais il sait que c'est Hitler, donc il sait qu'il a gagné, quoi. D'accord. Et c'est win. Il y a juste à dire, voilà, c'est bon. Bon, là, c'est bon. Voilà. Très bien, ça marche. Voilà. Et ouais, donc là, t'as toutes les règles à peu près. Il reste juste. Les petits pouvoirs, on pourra les faire au fur et à mesure. Ça, c'est, ça, c'est le pouvoir de regarder le rôle d'un mec, et ça, c'est juste regarder les trois premières cartes. Okay. Mais on reviendra plus tard. Le fasciste gagne rarement. Ah, c'est plutôt équilibré, honnêtement, honnête. Bah, ça dépend à combien vous êtes aussi. Hein. Ouais, ça dépend combien vous êtes. Ouais. En gros, à 9 joueurs, il y a un fasciste de plus. Voilà. Ah oui, d'accord. Quasiment la même chose. Après, c'est pas les mêmes plaquettes. En gros, les plaquettes, tu les retournes. Là, c'est 7 à 8 joueurs. L'autre face, c'est 9 à 10 joueurs. Il y a encore des soucis de son jeu, je crois. Zulu, est-ce que tu peux dire Test. Ah mais non, parce que du coup, il faut quelque chose. Est-ce que, parce qu'a priori, c'était cette partie-là qui... Ah, c'est génial. Il a fait un double test micro. Il prend 4 micros en même temps. Double test. Oh putain, quel enfer. On n'entend pas une bizarrerie. Chacun son métier. Tous les côtés fonctionnent pas. On entend à tout. Il n'y a plus rien qui marche là, ça y est, c'est terminé. On enchaîne. Allez, donc là je distribue les rôles, on est parti. Olivier, t'es pas top. T'as ah oui, attends, explique ça aussi. Ouais, mais ça c'est toujours plus tard. Non, en vrai, ça sera la fin de partie. En gros, si jamais on rejette ton rôle de président, ton goût et ton chancelier et qu'on fait ça. C'est mieux le rôle de président. La ville tombe dans le chaos et on prend juste une loi random et on fait ça. Voilà. Wow, du coup, c'est... Ouais, c'est la hesse, quoi. Du coup, là, tu vois, c'est... On refuse, et là, on fait bon, mon all-in. En général, dommage. Dans quel jeu, justement, il y a le même système, là, qu'on jouait Invasion, je sais pas pourquoi, la résistance. En fait, faut comprendre que ce jeu-là est très inspiré d'un autre jeu qui s'appelle The Resistance. Oui, Et The Resistance avec les... Qui a donné Avalon et qui a donné... Qui était le premier? C'est là, faut la poule, là, pour le coup. Faut cacher le chat. C'est clairement The Resistance qui était avant. Tu sais faire? Olivier mute, Xari mute, Zulu mute, il me semble. Ah oui. Est-ce que la régie est sur le coup? Oui. Oui. Voilà, en train de gandouiller. Ouais, ils sont en train de mordre de boire un café. Voilà, il y a. Ça a sorti les petites binouses, mon pote, t'inquiète. Donc, qui a du son en fait, grosso modo? Apparemment, c'est que nous. C'est que nous. Ok, nous quatre. Donc là-bas, les fachos. On va essayer de. Donc en gros, tous les quatre, c'est les fachos là, du coup, c'est ça? Sky aussi? Mais non. Non. Ça se propage. C'est une gangrène au fur et à mesure, tu sais. C'est la witch. C'est la dernière. Non, par contre, trollez pas, les gars, on trollez pas sur le chat, sinon c'est pas. Mais je t'ai pas demandé de faire de la gym, juste éteindre la télé. Ah ouais, d'accord. Ah donc c'était même pas. Que nous on sache, ça va rien changer. En fait, il faut juste laisser faire. Que nous on sache qu'il n'y a pas de son. Bon, désolé en tout cas pour ceux qui nous regardent pour les petits soucis de son. On est 8 dans un plateau qui normalement devrait en accueillir que 4. Forcément, ça pose des petits problèmes. On espère que ça va aller mieux au fur et à mesure. Car les autres micros. Allez, Zulu, presque. Zulu, il est presque. Qu'est-ce qu'il fait là? Il fait de la gymnastique. C'est bon, on a plus le temps. Ah, oh là là, Zulu. Donc là, regardez vos rôles. On part, Zulu. Putain, il a fermé un chat, quoi. Par contre, si t'avais un clavier, t'aurais pu faire Windows. Qu'est-ce que tu veux? T'es fasciste. N'importe quoi. Non, en plus, c'est même pas vrai. Oh putain, alors regardez. Regardez toi. Ouais, c'est bon. Ça, c'est fini. Vas-y. Lina, regarde-moi. Je suis libérale. Regarde sa tête. Ok, c'est bon, je sais. Non, mais c'est comme d'hab. Tu me dis quand même. C'est bon. Non, mais en fait, le problème avec Nems, c'est qu'il va te regarder, il va faire. Non, mais c'est bon. Libertin. Terminé. Ça ressemble. Tout ce que je peux dire, c'est que je suis libre. Qui commence à être présent? Moi. Xari, parce qu'il a dit. Ok, bon bah. En même temps, c'est fasciste dans l'idée, j'aime bien. On n'a pas censé faire la nuit avant ou je sais trop quoi. Oui, je vous aime bien. Donc, fasciste aussi. Faire les petits yeux. Ça commence! Que la partie commence! Ah, la lumière fonctionne! Mesdames et messieurs, fermez les yeux, bien évidemment, bienvenue dans ce monde de Secret Hitler, les fascistes, vous allez pouvoir ouvrir les yeux, vous êtes normalement deux. Donc, attends, fermez les yeux! Hitler, tu vas le faire après, c'est Hitler, faut pas que tu ouvres les yeux. Hitler, n'ouvre pas les yeux, lève le pouce. Non, je dis ça parce qu'en fait, sinon, c'est pas clair. Hitler, lève le pouce, tu gardes, quoi qu'il arrive, d'accord? Et les fascistes, les deux fascistes, vous ouvrez les yeux. Et vous prenez connaissance l'un de l'autre. Dina lève le pouce du coup. J'ai rien fait. N'oublie pas le pouce. Hitler. Pourquoi tu m'attaques gratuitement comme ça? Elle a tourné.
Je pense qu'il a mal au pouce. Du coup, c'est bon ton pouce, Lina? Je m'endors parce que je bouge pas. Hein, ouais, bah oui, avec ton pouce levé, ça fait mal. Très bien, Lina. Donc, prenez connaissance des fascistes et ferme les yeux. Ferme les yeux. Hop, tout le monde ferme les yeux. Baisse le pouce, Lina. Ah, j'ai entendu un mouvement à ma droite. Je sais déjà qui butait. Ouais. Bienvenue, bienvenue. Il y a bienvenue. Du mouvement là. Ouh là là. Ok, ouais, en fait, tu peux faire ce là. Il y a quand même la spéciale. Zulu, tu peux ouvrir les yeux. Oh non. Il y a quand même fasciste par contre. Trois fascistes au total. T'en as deux plus un Hitler. Je pense que je rigole que je suis. Donc Hitler, ouais. Et ouais, donc du coup, en fait, t'as qu'un call à faire. C'est. Ah oui, non, parce que non, oui, Hitler ne doit pas voir qui c'est les autres. Exactement. C'est ça. Il y a quelqu'un call à faire, c'est juste là les fascistes qui ont regardé qui était. Olivier, Hitler, c'était méchant? Non. Il a l'air gentil. Poisseux. Ce qui est bien avec Olivier, c'est qu'il s'est passé un jour le détecteur de mensonges. Il a l'air. Mais il est grillé. Il est après, il a déjà réussi à bluffer quand même. Ouais, c'est vrai. Mais c'est rare. Il met des matchs par quand même. Je lui fais confiance. En fait, il a vite ma confiance parce que comme je me dis, il ment pas très bien, je l'accorde vite ma confiance. Tu vois. En vrai, c'est une strappe. Alors que lui, par exemple, lui, je lui fais pas confiance du tout. Même si c'est pas une seule fois. C'est Xari, quand même. Je mets Olivier chancelier. Ah ouais, Tina, t'as déjà vu Relation? Non, je dis toujours, on peut pas lui faire confiance. Ah, on a pas les winners. Chaque fois qu'on lui a fait confiance, ça n'a pas. Ah oui, mon Dieu, sans confession. Non, mais de toute façon, c'est le premier tour. Bah, on met oui, de toute façon. Ah oui, là, ça va pas. Zulu qui vérifie c'est bien qu'il est fasciste. C'est bien. Je savais plus quel rôle j'avais. Oui, bien sûr, bien sûr. Non, je regardais s'il y avait les trucs de vote dedans. Non. Excusez-moi, il manquait les bulots. Ah là, tu te tais. Mytho, va. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Le truc, il part beaucoup trop loin. T'as vu mon pouce levé, tu le sais déjà. Non. Merci. C'est tout le monde là, c'est bon, les gars? Tout le monde là? Je crois que c'est bon, ouais. Ok, en tout cas, c'est juste pour voter oui, non à cette présidence. Alors, ma stratégie, c'est clair, en libéral, je mets toujours non. Ouais, regarde. C'est la même stratégie que tu Non, mais ça, c'est vrai. Vraiment, en fait, je fais vraiment ça. Tu votes toi-même? Faut pas toujours mettre oui, en fait. Okay. Je mets toujours non, deux tours. Toujours. Okay. Sauf quand c'est moi. Voilà, c'est ça. Bah, justement. Le but, c'est de voir un peu les forces en présence, quoi. 3, 2. Attends. Nems, est-ce que tu... Bah mais non, Nems. Non, mais je mettais juste tous une carte comme ça. 1, 2, 3. Oh là là là, même équipe. Oh là, bah voilà, on a les trois. Oh. Il y a combien de fascistes dans la game? Ça sert juste à mettre la pression. Et moi, non, je pue, non, c'est ça. C'est vrai que... Moi aussi, je suis dans votre clan, les gars. Théo. En fait, ils savent que tu es... J'ai pas checké lui non plus. Reste fasciste, tu sais. Là, choisis mon chanson. Et moi, j'avais voté oui, moi. T'avais voté oui? En gros, tu poses ton truc si t'as envie de... Ouais, je suis pas dit. Mais arrêtez de me mettre des fois. Je sais pas, j'ai voté oui. Non, non, mais on doute. Mais j'ai peur que tu sois méchante. T'as l'air méchante. On se rappelle le dernier jeu où il fallait trouver une sorcière et à un moment t'as rigolé comme une sorcière. Mais. Et à la fin, je laisse deviner ce qu'elle était. Je peux refaire le rire. Dina, lève pas la main, d'accord? On sait jamais, mais mauvais choix. Ouais, c'est Rivenzi, comme t'es nouveau, je te dis oui. Mais non. Bah vraiment, pas de blague. 1, 2, 3. Waouh! C'est ça le pensée. Non, c'est juste parce que c'est Rivenzi. Par contre, c'est bizarre, vous suivez que tu mets des noms deux fois. Oui, mais et là, t'as mis oui. Pourquoi tu suivais Sky comme. De toute façon, on s'en fout, c'est le premier tour. Mais non, mais c'est Rivenzi. Mec, il m'a nommé Chancelor. J'étais obligé de le suivre. Déjà, pas tout le monde en même temps. Hein? Oula! C'est un peu fâché. Oula! Mais bien sûr, tu as raison. Parler à trois en même temps. Et donc, du coup, tu veux dire quoi? Mais non, mais. Au début, il fait. Ouais, bah moi, je mets non. Si je suis libéral, je mets non. Tout le monde met non. Et puis là, ça y est, il fait. Bah, je vais mettre oui, tout le monde met oui. C'est des moutons. Mais quoi, on avait déjà posé notre carte, mais il a posé sa carte. Vous avez déjà voté. Donc, il te dit sa stratégie. Si tu ne fais pas sa stratégie, alors ce que je veux dire, c'est que le fait que toi, tu as fait sa stratégie, t'es peut-être un mouton de Sky. Attends, quoi? Attends, j'ai pas compris. Dis quoi, le monsieur à ma droite? Vous pouvez répéter la question? Lancé entre amis, n'est-ce pas? Non, mais en vrai, c'est Rive et en vrai, j'ai envie qu'il joue, quoi. Okay. Parce que c'est sa première game. En et vrai, nous, non, donc. Ah oui, d'accord. Bah, Rive, toutes les fois que tu seras prison, je mettrai oui. Sauf s'il est fasciste. Tu mets non un jour? Il faudrait que tu risques de voir avec la révision par échec. J'ai vraiment pas vu. Ok, dis, je sais que t'as pas gagné, mais je me dis juste ouais, cool, les couleurs, c'est tellement facile à voir. T'as raison. Ça parle pas, aucune réaction. Chancelier. Regardez pas les gars. Poker face. Poker. Le chancelier suprême. Là, je regarde ton visage par contre. Butel, il est très expressif. Ah, il a le choix. Sinon, il aurait fait.
Ah, ça hésite. Non, t'as pas à réfléchir. Ah, ça hésite, ça hésite, ça hésite. Non, en fait, t'as pas à réfléchir. Ah, déjà, elle a le choix. Aïe, 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 aïe. Chaque seconde. Chaque seconde, t'as plus. Je te rends plus coupable. Chaque seconde, je te rends de plus en plus coupable. Vas-y. Quel est le risque? Ok, bon, vas-y, ça part là-dessus. Fasciste, non, vas-y, remets la, l'autre. Celle que remets tu jettes, ici. Là-bas. Hop. Là, ça, là, là ça pue quand même. Ouais, ça, attention. T'as intérêt à avoir une justification sous le livre. Attention, retourne. Oh, bien joué. Ouais, mais ça veut pas dire. Mais pourquoi t'as hésité? Mais c'est fait exprès. C'est pour mettre la pression. Ah bah t'as mis la pression. T'as mis la pression tout seul. Tout à fait, totalement. Il y a déjà de la sueur qui permet. Mais quel est ton intérêt de mettre la pression si t'es gentil? C'est rigolo. Oh, ouais, ouais, monsieur. Pour info, la déclaration d'Hitler, c'est exactement ça. Elle était comme ça. Et j'ai fait. Ah non, pour le coup, moi pour le coup, c'était vraiment juste pour rire là. Voilà. Je me suis fait griller parce que. Bon, c'est bien marré. Un quart de seconde. Ah mec, on rigole, hein. Bon, je suis votre nouveau président. En tout cas. Oui, monsieur. Je vais essayer de monter un gouvernement, j'ai besoin d'un chancelier. On dépêche-toi, par contre. Ah, attends, c'est quoi l'histoire? On fait passer le président à chaque fois, comme ça. Mm. Par contre, le chancelier, ça ne doit pas être. Le même. En fait, le chancelier ne peut pas être le chancelier, le président précédent, à 8 joueurs. Donc là, quoi qu'il arrive, on ne peut pas cibler ni Beatel, ni. C'est ça. En chandeleur. Sinon, c'est trop facile. C'est ça. Sinon, ce serait génial dès que tu en sais un. Mais c'est surtout pour répéter la règle. Qu'est-ce qu'il y a? Non, non, mais. Non, mais oui, on peut mais non, mais. Non, de toute façon, il pouvait pas me choisir. Pour éviter qu'en fait, oui, mais il a voulu. Il a voulu. Ah, c'est toi. Mais c'est parce que c'est une longue histoire d'amour. Maintenant que j'ai compris. Vas-y. Il a voulu remettre Beatel, alors que. Alors que c'est pas possible. Mais on vient de dire. Alors qu'on vient de dire qu'il était suspect. Il était en train d'expliquer. On vient de dire que le bras comme ça. On n'avait pas le droit. Oui, mais. Mais pour le coup, c'est vrai. Non, par contre, c'est vrai. C'est vrai que c'est chelou. Non, mais ça va aussi. Mais allez, messieurs. Toujours à m'accuser, toi. Bon. Non, mais je ne. Qu'est-ce qu'on fait, Scalia? Votez, messieurs. Non, bah. Votez. 3, 2, 1. C'est bon, oui. Ça passe. Moi, qui sont mes amis et qui sont mes ennemis. Non, mais attendez, ça n'a rien à voir, c'est qu'une élection, hein. Prenez pas la main tout de suite, monsieur. Oh. Attention, hein. Oh. On va pas faire attention des lasses comme ça, hein. Ça va pas aller, hein. Monsieur T-shirt, tout pas parce que vous avez moins de cheveux que les autres, que vous devez vous sentir différent. Je sais que je voulais être absentéiste, mais j'ai pas pu, donc. D'accord, ok, très bien. Tu votes oui. Hâte de voir ce que tu vas me donner. Non, j'ai mis oui parce que je me suis. Troisième tour, il met oui. Ouais. Good. Non, mais regarde, Bibi. Attention, regardez pas le retour. Mec, c'est tout, c'est ta strat, mec. C'est Dina a choisi. Dina, imaginez. Oh, Dina qui. Ouais. Elle a la femme en même temps là. Waouh. Dina qui veut retourner une page. Non, c'est une libérale. Bien joué à toi, Dina. C'est bien joué là-dessus. Ouais. Quelqu'un t'as tué dans tes mains, mon ami? Yes, we will. Quelqu'un t'a tué ce libéral ou libéral? Au départ, j'avais deux fascistes et une libérale. J'ai défaussé la fasciste pour essayer de faire. Trop bon, bravo. Bien joué à lui, c'est ce qu'il fallait faire. C'est beau, hein. Et ben, j'avais exactement la même configuration que lui, tout à fait. Bien joué, t'as il en reste 4, il en reste 4. Juste que Beatel a beaucoup plus hésité que Dina. Ouais. Mais Dina, elle a eu la leçon, elle a fait. Après, c'est que je vois un peu. T'inquiète pas qu'elle a appris, hein. Elle a vraiment fait wow. Après, Dina, elle sait qu'elle est sous pression depuis tout à l'heure, donc il fallait mieux essayer d'être un peu rapide. Mais libéral. Ok, Dina, à toi, présidente. Donc, présidente, qui veut cibler comme chancelier, sauf Zulu. En tout cas, on est un pays fasciste mais progressiste parce que c'est une femme notre présidente. Donc on est pas mal, on est pas mal. Mais c'est pas libéral, parce qu'on a le droit d'élire une présidente. J'adore. C'est vrai, je pense. Ah bah tiens. Oh, bien sûr, ça va faire l'os. Mais non. Je vous propose. Par contre, ce qui est chiant, c'est comme dans le chat, si les gens n'entendent pas un de nous, qu'on puisse répéter. En fait, est-ce qu'en régie, vous pouvez nous dire qui c'est qui n'a un micro qui marche pas comme ça, du coup, on répète ce qu'il dit? Xarizou, pour l'instant, ne marche pas encore. Donc on va essayer de répéter ce qu'ils vont dire. On entend pas mal, quoi. Excusez-moi, j'étais complètement ailleurs. Donc, Zulu qui avait dit quoi? Je sais répéter ce qu'il avait dit, mais. Allez, go! 1, 2, 3. Attends, j'ai pas regardé. Moi, j'ai mis au hasard. Ouais. Il a dit le rire, c'est l'option. Allez! J'ai mis vraiment au hasard. Mais par contre, choisis bien, Luna. Bah, faut que j'ai du choix. Il y a des. C'est très bien que c'est. Non, mais en fait, il dit qu'il l'a fait au hasard, mais. Attention, regardez mon temps de réaction. Non, mais c'est pas ça, c'est juste que trop dièse, ça va trop vite, en fait. C'est mauvais signe à chaque fois. 100% fasciste, voilà, c'était sûr. Il y avait que c'était sûr en fait. Il y avait que des fascistes, Dina. Il y avait que non, c'est faux. C'est faux, il y avait un libéral, j'ai bien fasciste. Mais j'ai pas changé de champ, j'ai pas le choix. Ça veut quand même. Compte le nombre de cartes, il y a forcément une proba qu'il y ait que des fascistes à un moment donné. Non, mais vas-y, énerve-toi. Parce que là, techniquement, si c'est Joyeux Luron n'ont pas menti, et je leur fais confiance, ça veut dire quand même qu'il y a 4 libérales et 4 fascistes. C'est quand même peu probable. Quoi? Non mais. Ah, attends, quoi? Là, en gros, il reste 4 Ah oui, ouais.
Si. Bah non, bon, allez, jouons, là. Beatle, bah, à part Dizan et moi. Il n'y en a aucun des deux qui est menti, en plus. Oui, c'est moins probable. Voilà. Mais moi, j'en ai confiance. Si longtemps. C'est vrai. Oh non, t'inquiète. De toute façon, on m'entend pas. Tu peux me mettre, moi. Ou Nems, t'as pas encore joué. C'est vrai que Nems n'a pas joué non plus. Écoute, sous ma présidence, on a eu une loi libérale. Maintenant, fais ton choix. Oui, je rigole, mais il a raison. Je ne t'influence non, pas, juste fais ton choix. Vraiment, il a raison. Oui, mais faut qu'il te donne une libérale. Moi, dans tous les cas, je vais voter non. Moi, en fait, je vais repasser sur Evenzy, parce que quand même, au global, ça me fait que c'était deux libérales aussi. Manger pour ton accession. Non, attends. Voilà, voilà. On va peut-être pas laisser président Bittel. Voilà, parce que je laisse voter non d'abord. Non, pardon, je pensais que je prenais les cartes quand même. Tout le monde met sa carte comme ça. T'inquiète. 1, 2, 3. Ok, donc allez, donne-moi ça. Je remarque quand même votre synchronisation incroyable. À chaque fois que vous mettez non ensemble, vous mettez oui ensemble, c'est fou, vous êtes en harmonie. Gros. Jamais mis non de toute la gamme. Jamais mis non de toute la gamme. Je mets que oui tout le temps, moi. Ça, y a pas de strat. On peut essayer de faire un petit peu tourner ou quoi. Moi, je suis juste les principes de base qu'on m'a dit. Après, t'as mis oui là, non? Oui, j'ai mis oui parce que c'était parce que j'étais pour le. Parce qu'il était chancelier. Le chancelier, je le mets à un des deux. Alors, est-ce que là, on est d'accord que le chancelier peut le redonner à. Tout à fait. Je mets un des deux. Là, je mets juste un des deux, de toute façon. Ouais, mais faut que tu choisisses. Faut que tu choisisses, gros. Ah, mais Nems, est-ce que t'es pas méchant en fait? Si, depuis le début. En fait, c'est Hitler. Comment? Ah, c'est même là. Je suis pas sûr qu'il soit. Donc là, on est là, c'est ça? Il reste quoi pour pouvoir. On a encore un. Non, mais ça on a encore deux. On a encore deux. Si on a un non possible, on a un oui automatique sur toi, c'est ça? Pas forcément, je pense. Enfin, c'est ça qui est chiant à chaque fois, c'est que. Fail. Ouais, c'est au troisième fail. Ouais. C'est ça. Donc soit on vote pour lui, soit c'est full pour toi. Voilà. Est-ce que vous avez plus confiance en Nems ou en moi? Libre à vous. Aucun des deux, personnellement. Okay. Tu fais bien quoi. Donc, que... Bon, allez, on joue là. Enfin, qui suis-je, Nems? À qui du coup? Parce que je le garde, mais. Non, mais un des deux là. Bah oui, mais. Vas-y! Décidez! À toi de choisir! Moi, je donnerai le chancelier à Zulu. Je vous le dis à l'avance. Voilà. Ok, bravo. Attends, ok. Ouais, de toute façon, moi j'ai. Allez, 1. J'ai deux, une strat qui est de ne pas avoir de strat. Ça marche bien pour moi. Je mets tout le temps oui, comme ça, il n'y a pas de lecture. Genre, mon nom, il est là-bas. Il a une chance tellement infime de ne pas avoir de libéral. Ne dites rien. Voilà. En fait, le truc, c'est que si les deux, ils sont vraiment méchants, ils n'ont pas l'intérêt à être élus en même temps. Quoi. Oui, bah chacun sa merde. Hein. Les dégâts. Chacun son chemin. Putain, t'as tellement bien joué là. En plus, il y a un pouvoir, donc c'est chiant. Mais qu'est-ce que tu nous fais comme acteur? Je confirme que quelqu'un. Acteur de théâtre, non? And le Molière for the night is for. Oh my god, no! Attends, les gars, il reste 4 cartes. Non, mais attends, c'est impossible, c'est impossible. Non, non, mais il y a quelqu'un qui a menti. Hein. 100%, il y a quelqu'un qui a menti. Dina? À mon avis, ça pue. Ouais, ça pue. Ouais. Dina? Mais ça pue. Non, mais. Allez, bon, allez, Sky. À moi. Attends, il y a un pouvoir là. T'as vu, j'ai pas hésité. C'est vrai qu'il y a un pouvoir du coup. Tu prends tes 3 cartes. Faut que tu regardes ces 3 cartes. Regarde pas. Regarde ces 3 cartes. C'est les 3 cartes. Et je fais quoi? Attends, je vérifie juste que les 3 cartes. Non, c'est ça, c'est ça. Tu les regardes et comme ça tu sauras si Skyman. Non, attends, c'est pas le joueur? Non, c'est le. Président. Oh merde. C'est pas quoi? C'était pas lui? T'avais donné quoi à Rive? C'est qui? C'est pas ce pouvoir là. C'était pas ce pouvoir là. En comptant que là j'annonce qu'il y a du raid aussi là. Genre là, il y a du raid. Vraiment plus. Bah tant pis, on échange les deux pouvoirs. En gros, il regarde la carte d'un joueur, non? Tant pis. Est-ce qu'on va shuffle les. Il peut non, dire non, qu'il non. On fera ce pouvoir-là à ce niveau-là. Oui, tant pis. C'était l'autre, c'était un autre pouvoir. Est-ce qu'il a vu ou pas? Non, il peut pas dire. Enfin, tu peux dire. Bah, je te dis juste que là. De toute façon, là, il y a des gens qui ont menti. Parce que le prochain qui va l'avoir, tu verras, il y a du raid. Il y a que du raid? Non, il y a pas que du raid. Il y a pas que du raid. Qu'est-ce qu'on veut savoir? Mais ça, il a le droit de dire. Oui, il a le droit de dire. Je dis juste que là, statistiquement, il y a une couille. En fait, ce pouvoir-là, il n'existe pas dans 8. Non, dans 8, ouais, il n'existe pas. Mais... Pardon. 3, 2, 1. Waouh! Waouh! On dort! Vous savez qu'on sait qu'il y a du libéral. Donc... C'est vrai qu'il nous a donné l'info qu'il y avait du libéral. Vous avez donc le terrain libre. Je n'y crois pas. Le terrain libéral, si je peux me permettre. C'est rigolo. C'est pour moi. Mais t'es vraiment forte. Hein. Ouais, je m'en sors pas mal, ouais. C'est une loi libérale. Bon, j'avais deux rouges, mais une bleue. Parce que le libéral, c'est le bien. Ça fait deux rouges, une bleue. Je confirme ce qu'il dit. Il aurait dû rester 4 bleus parmi 8 cartes. Ça veut dire qu'en gros, là, on aurait 2 libérales. Il y en aurait une qui aurait été impossible. C'est fort. C'est impossible. Ouais, c'est fort. Moi, j'ai confiance en Zulu. Je pense que Zulu est 100% gentil. C'est fort de café. Olivier est gentil.
Je pense que oui. Pourquoi Olivier? Pourquoi Olivier? Je pense qu'il est gentil parce que. Il a pas trop le choix dans ce que je lui ai donné en même temps. On va pas pu le tester, mais. Moi c'était pas me tester de toute façon. Toi, t'as eu du choix de bleu? Non, j'ai eu que du rouge. Regarde sa tête de vainqueur. J'ai envie de te faire confiance, j'ai l'impression que t'as eu que du rouge aussi. Peut-être qu'ils nous ont menti, qu'il y a eu deux libérales au début. J'ai pas du tout envie de faire confiance. Écoute, ni habitat, ni. J'ai vu 6 cartes, il y avait une bleue. Donc au bout d'un moment, il y a une couille, tu vois. Je t'adore. Bah donc, elle est au début là. Vous pas tous en même temps. Il y a eu des libérales qui ont été jetées peut-être, en plus de... Non. Ah bon? Non. Mais non, mais de quatre parts. Mais non. Non. Mais comment tu as calculé ça? Déjà les gars, ce qui est sûr et certain, c'est que vu qu'il manquait des libérales, là il manquait à minimum une ou deux libérales, c'est-à-dire qu'il y a forcément des présidents qui ont menti. Parce que moi ou des chanceliers. J'ai pas été président. Ou un couple qui est méchant. J'ai pas été chancelier, le président aurait dit non, il avait une libérale, il a pas mis. Donc, si c'est deux méchants. Si c'est deux méchants, oui. Si c'est deux méchants, c'est deux méchants. Peut-être qu'il avait deux libérales. Je suis d'accord. Mais sachant que je n'ai pas été... Moins probable, mais... Bonjour. Mais est-ce que t'as acheté une libérale? Bah du coup, c'est moi. Alors moi, je vais prendre comme chancelier... Tu vas prendre Zulu. Je voudrais prendre Dina. Oh, risqué, risqué. Non, mais il a compris, on s'est regardé. Plutôt quelqu'un qui a pas encore été... Et il fait ce qu'il veut. Mais par contre, ça ne regarde pas ça. J'espère que je peux te faire confiance. Ça va. Je n'ai que moi ça. Du coup, les gars, le pouvoir que tu auras, ce sera de regarder la partie de quelqu'un. Je n'ai que très peu confiance. 3, 2, 1, révélé. Quoi? C'est marrant comme à chaque fois, vous votez pareil. Toujours c'est vrai. Non, c'est logique. C'est comme tout ça. Attention, la merde par là-bas, tu files un mauvais coton, Bitel. Ça veut dire quoi ça? Bitel et Rive. Tu es méchant? T'es fasciste? Mais fais pas semblant que tu sais pas, frère. Le mauvais investigateur. T'es fasciste, c'est ça t'es que tu veux fasciste, dire dis-le là. Tu m'as fait peur, Dina. Je sais. Ça pue ici, là. Enfin, je regarde pas le chat, je regarde combien on est. Merci d'être nombreux, oui, ça fait plaisir, gars. Merci beaucoup. Malgré les petits problèmes. Donc là, on est à une loi de gagner. On est à plus de 3200. Moi, j'ai le droit de faire quoi, là, du coup? Ça va monter. Du coup, on fait l'inverse, c'est ça? Donc, non, non, là, t'as pas de pouvoir. T'as pas de pouvoir, parce qu'on l'a pas mis. C'est pour le rouge. Je vais Sky. J'ai pas de pouvoir, mais si jamais les libéraux. Je sais pas si Zary est gentil ou pas. Non, j'ai pas joué. Si on met une libéral, on va gagner. Il a jamais joué. J'ai pas joué de la game. Ah, il a pas joué de la game. T'as pris qui, Sky? Eh oui. Il reste qu'une seule libérale, ouais. Je pense qu'il est gentil, Zary. En fait, j'ai pas du tout envie de laisser le vote après à Harry. Bah, sympa, t'es. Bon, allez, go. Bah, on dira non, c'est pas grave. J'ai plus commencé en Zulu, clairement. 3, 2, 1. Bitel qui a voulu faire stratégie. Ah, oh, je vote pas comme eux. Bitel qui a mis oui là. Ouais, ouais, mais. Vous avez vu, on vote pas tout le temps Bitel, pareil. Mais... Il arrêtait pas de mettre attends, non. Attends, je comprends pas le problème. Attention. Ah. Zary. Mmh. 3 rouges. Et en vrai, là, c'est très possible. C'est quoi le pouvoir? Parce que tu regardes le rôle de quelqu'un. Le parti politique de quelqu'un. Mais il connaît moi, déjà les le rôles. Parti politique de Rive, non? Tu regardais le tien. C'est sûr? Oui. Instantanément. Je rigole, mais. Il a... En vrai, il a totalement raison. Attends, ça arrive. Trop tard. Je te regarde pas, je te regarde du coup, Zul. Ça va? Je suis quoi? Bah, je vais pas dire. Bah, si! Bah, pourquoi? Bah, attends, mais ouais, quel intérêt de pas leur dire? Bah, t'es gentil, mais. Ça sert à quoi de le dire aussi? Je peux le garder pour plus tard. Bah, pour nous? Non. Bah, pour les gentils? Tu vois, genre, ouais. Oui, mais je peux. Non, parce que tu m'as dit, je suis méchant. Je t'aurais confronté, gros, comme mais genre. Non. Mais non! Je peux le dire au moment où il va avoir un vote, tu vois. Là, t'es propre, on est très cher, hein. Ok. À toi. À moi? Mais je peux choisir mon chancelier, donc. Bon, tu t'auras pas la main, là. Non, mais. Bah, ça va. En vrai, t'es peut-être gentil. En vrai, t'es peut-être gentil, mais j'avoue que j'ai confiance en Zulu. Il est dur ce jeu quand t'es. 9-9-9-9-9! Allez, refais-le. Change pas mon vote. Ouais. Oh. Il est tellement pas allé là-dessus! Il a pas bon, 3, 2, 1. Ah, et du coup, tout le monde met non! Ah, là, oui, évidemment! Bien joué à vous en tout cas. Bah non, j'ai mis oui moi. Ah, merci à toi. Il avait dit, parce qu'il avait dit depuis le début, je m'étais fait des. Zulu! Zulu! C'est à moi de choisir. Je garde ou pas? Regarde-le! Oh le clin d'œil! Oh le clin d'œil, mec! Regarde bas! Prends ça, pied fait félon! Et tu sais, après, il fait. En vrai, bro! Non, il n'y a pas de clin d'œil! Pas menti, Xari est peut-être méchant et peut-être qu'il veut se couvrir, mais en fait, le cas au pire, t'as le kill. Si jamais il troll, t'as le kill. Moi je pense que Xari, c'est un bon bail. Ou alors. Après, Olivier est sûrement gentil. Pourquoi forcément? Ou alors, Sky? Non, tu peux pas. Je pense que j'étais président, non, avant. Oui, j'étais censé. Ouais, t'étais président. Ouais. Ah non, tu peux même pas prendre Xari, il était gentil, il était président. Ouais, Olivier. Moi. Mais. C'est Dina ou Olivier? Olivier, je pense. Oliver Queen? Je pense Oliver est plus safe.
Olivier, non, peut-être Dina, t'es gentil, hein. Mais en vrai, comment tu jamais... Ah, non, en fait, c'est qu'Olivier, comme il est très mal... Non, mais j'ai confiance en Olivier, mais j'ai un mini-doute sur Zoulou. Pourquoi ? Bah parce que, pourquoi pas ? Parce que t'as le seum la dernière fois. Non, mais parce qu'il s'est passé un truc au début, il y a des libéraux qui ont été jetés. La dernière fois, j'étais persuadé que j'étais gentil. En vrai, t'as peut-être raison, peut-être que c'est une 3, 2, 1... C'est très possible. Pour ça que je dis non. Oula, ah, oula, oula, qu'est-ce que c'est que ce bruit là, bébé? <Okay. rire> Il y a deux secondes, il y a deux secondes, Sky. Je pense que Zouzoul c'est le plus safe. Mais du tout, pourquoi tu votes oui? Non, mais c'est quoi ce raisonnement bidon? T'as même pris les deux cartes et t'as quand même fait. Oh les mecs, est-ce que je. Mais absolument. Mais absolument pas en plus. Est-ce que je suis vous fasciste? Mais tu racontes n'importe quoi. Mesdames et messieurs. Peut-être, mais tu pues le fasciste. Mais n'importe quoi, mec. Nous avons gagné. Ouais! Bah, vous avez le seum là, les trois là. De quoi, pas moi? Pas fasciste, c'est toi. Bah non. C'est Ah, t'es pas fasciste. Mais non. C'était moi. C'est toi. Moi, j'ai pas joué de la game, donc du coup. Mais il a même joué. Il a même joué des oui à la fin. J'en aurais pu faire, putain. Toi, t'étais fasciste. Ah, bien sûr. Ok, plus jamais pas la confiance. Mais j'étais pas gros. Mais ouais, mais le... lui, j'étais pas sûr. En fait, le problème, c'est que si tu réfléchis premier tour au moment où t'as des cartes. Moi, je te. En fait, le seul argument sur lequel tu peux défendre, c'est. Je fais ça pour mettre le doute et rajouter du fun. Pour le coup, c'était vraiment ça. Mais stratégiquement, on peut pas le croire. Oui, bien sûr, bien sûr. On peut pas le croire parce que moi, je t'avoue, j'étais catapulté en fasciste 90%. Quoi. C'est clair. Quoi. Ah bon, c'est tellement dommage, c'est que t'as fait faire une masterclass. Hein. Quand il est président, il dit ouais, vas-y. T'as qu'à mettre Zari, je t'en mode vas-y, s'il te plaît. Non, mais je pouvais pas. Bah, c'était lui Hitler, tu vois. Ça aurait été incroyable. Mais en fait, le truc, c'est que là, moi j'ai pas joué de la game, donc du coup, c'était dur quoi. Ouais, là, c'était compliqué. Là, pour le coup, ouais, c'était chaud. Parce qu'en gros, on a fait tout le tour, et vu qu'on était en dernier, et le pire, c'est que nous, on a fait comme des fumiers, on a défaussé 4 des putains de bleus. Hein. Oui. Genre, tu te rends pas compte, on a fait que ça, j'étais en mode, c'est pas possible, il reste que des bleus, tu vois. C'est pas donc, ça vient défaussé comme. Non, mais normal, j'ai que des bleus en plus, moi, normal, normal. Bah, t'as bien dit pour une. Bah, j'ai essayé, mais en fait, en vrai, c'est que c'est simple. Honnêtement, c'est très dur d'être méchant. En vrai, c'est chaud parce que. C'est dur d'être méchant. Parce que déjà, t'as défaussé libéral. En général, c'est très rare que les mecs, quand ils font la première fois dans la game, ils sont méchants, ils défaussent pas de libéral, ils ont trop peur. Donc, non, en vrai, t'as vraiment. Après, j'essayais, tu vois, de. Ouais, que ça joue un petit peu, mais après, j'essayais quand même de faire en sorte de pas me faire suspecter direct, c'est pour ça que j'ai laissé le choix vital sur la première. T'as assuré. Moi, non, vraiment. Non, mais pour le coup, smart. T'as vraiment bien joué. Smart, parce que du coup, moi, j'étais en mode. Riff, c'est le frère. Zoul. Pas du tout. Pas du tout. Coup de couteau dans le dos dès la première nuit, mon pote. Comment ? Si là, il y avait une loi fasciste, tu tuais qui ? Alors juste reprends le chat. Est-ce que bah en vrai j'avais vraiment le doute sur les trois là. Xari, j'aurais jamais tué Bitel, j'aurais kiffé. En vrai tu m'aurais tué, j'aurais tant. Mais pourquoi t'as tant hésité? Mais je sais pas, mais c'était juste pour rajouter du feu au début, tu vois. Pour mettre la pression direct. Mais ça n'a aucun sens, mais peut-être Hitler. Je pense qu'on tuait pas. Je l'aurais peut-être tué, enfin j'aurais peut-être tué Nems parce que sur les premiers votes non, c'était comme ça. Et du coup, je me suis dit peut-être qu'il sait pas. Après il sait pas toujours non. Normalement, t'es censé mettre non en fait. Ouais, bien sûr. Là, il y a trop de bruit en fait. Tu vois, dans la game, il y a bien trop de bruit. Je suis en mode, mais. C'est pour ça que j'ai fait beaucoup de noms parce qu'on m'a dit qu'il fallait faire beaucoup de noms. Et c'était qui, Claire, du coup ? Xav. C'était le Xav. C'était pas moi, Sky. En vrai, vous avez. Ouais, bien joué. En vrai, vous avez pas beaucoup de chance que là, c'est parce qu'on n'avait pas la loi libérale. Si là, on ne drop pas la loi libérale. Et qu'il y a un re-président chanceur, il y a moyen que Xavier soit élu et vous auriez pu gagner. En vrai, c'était close. C'était pas loin. Ouais, ouais. Mais la game était cool. Elle était cool, deuxième game. Cool la game. On est parti. Première game, t'en as pensé quoi ? C'est très cool, c'était très sympa. Mais t'as assuré. Mais il fallait. Mais il faut prendre un peu le temps, effectivement, de comprendre le chancelier, comment voter, tout ça. Mais ça ressemble un petit peu à The Resistance en vrai. Ouais, ouais, clairement. Mais c'est plus accessible que The Resistance. Enfin, tu comprends un peu plus rapidement. On a joué à The Resistance version plus quoi. Avec le module. Ouais, c'est chaud. Moi j'avais déjà fait la game. Je trouvais ça trop cool, mais j'avoue que c'est vachement. Moi j'avais déjà fait The Resistance en mode normal, ouais. Donc attends, quand on avait fait sur l'essence, d'ailleurs, il n'y avait pas une extension, on ne comprenait pas les règles. Transfuge. Il y avait le transfuge, où la carte, elle était des deux côtés, on la voyait, c'était ridicule. Couleur, ça, du coup, c'est à qui, là ? Vas-y, Olivier. L'édition est naze. Ouais. Enfin, il faut faire la nuit. C'était bien une erreur, on est d'accord. C'était bien une erreur. Ok, Dodo, du coup. Ouais. Fermez tous les yeux. Alors, du coup, Hitler n'ouvre surtout pas les yeux. Hitler lève le pouce. Dina, vas-y. Toujours pas. Les deux fascistes, ouvrez les yeux du coup. Vous regardez, vous prenez connaissance l'un de l'autre, tout ça. Ok, super, je vous laisse encore un peu de temps. Ou Hitler lève bien le pouce, parce que sinon ils vont pas savoir qui t'es. Que le pouce ou... Que le pouce. Donc là, Hitler baisse ton pouce. Les fascistes ferment les yeux. Et tout le monde ouvre les yeux. Parfait. C'est un des jeux qui est bien. Un rôle caché, c'est que la nuit elle est ratée. Ouais, au moins. C'est le méchant. En régie, si vous voyez une erreur la nuit, imaginons, il y a trois mecs qui ouvrent les yeux, dites-nous, parce que nous, comme on n'a pas de chat, on peut pas le savoir. Et du coup. Comment tu peux avoir une erreur ?
Alors, on sait jamais. Il paraît qu'il y a une musique qui tourne, on l'a pas. Parce qu'en fait, c'est déjà arrivé qu'on fasse une game et en fait, ah, mais la nuit on a fait une connerie, on était trois à se réveiller. Ah, bah yes. Bien joué, ton pote. Du coup, on. C'est qui qui fait le président, président là, en fait, celui qui bah, celui. Non, c'est bien, Zoulou, c'est bien. Zoulou, on ouais. continue dans okay. le truc. Tranquille. Non, c'est Adina. Non, justement, c'est Adina. T'es méchant Adina. Non, c'est... non, mais c'est Adina. C'est Adina d'être président. Pourquoi c'est Adina? Parce que oui, c'est Adina. Oui, pardon, c'était Zoulou avant. C'est moi la présidente. Est-ce que t'es méchant, Zoulou? C'est plus pour tout le monde. Alors, Adina, tu vas être méchante? Je sais pas qui fait. Bah voilà, tu nous as cassé les burnes là pour être présidente et tu sais plus. Sur un. D'un moment, enfin, monsieur, on te donne des responsabilités, tu assumes au bout d'un monsieur, moment. Monsieur, sur un autre ton, hein. Calmez. La présidence, sa responsabilité, elle est quand même nulle à chier quoi. Zoul, t'aurais pris qui? Moi, j'aurais choisi le destin. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Nous allons jouer le destin. Le thé du président va choisir. À qui nous fasse. Oh. Vous n'avez aucun respect des institutions, monsieur, aucun. Les artistes. Ouais, ça mine pas. Les menus, c'est du bois quoi. Dina. Mais n'importe. Autant les gars, ça te fait chier, autant ça joue. Bah, désolé, je ne sais pas mentir. T'as changé de camp ou pas? T'es libéral? Oui. Je suis pas fasciste. Mais on s'en fout, tout le monde va mettre carte bleue. J'ai une carte bleue. Je peux te payer. Pas mal, pas mal. En fait, c'est l'avantage. T'es vraiment le meilleur allié, toi. Alors, moi, je pense que Dina a voté pour en pensant que tout le monde allait mettre non, donc mettez oui. Bah ok, oui. Merci. Alors moi j'ai mis non. Allez, parce go. Que le but de mettre non, c'est de voir qui s'associe avec qui. Allez, 3, 2, et du coup, si elle se dit, si elle se dit, tout le monde va mettre. C'est parti. Bon, j'ai pas compris, attends, répète. C'est bon, c'est perdu. Le but de mettre non, c'est de voir qui s'associe avec qui. C'est mettre la pression en fait. Si tu votes non pour mettre la pression, c'est que t'es méchant, mon pote. Mais non. Bah pour, je t'écoute. Moi, je suis pas forcément. De... Bah, en gros, vu que t'as des fails, etc., on va être, ça va pousser dans l'ange. C'est pousser les libéraux qui sont en majorité essayer de se mettre d'accord, en fait. On m'a dit, faut qu'on se mette d'accord. Et là, justement, tu vois les mecs qui veulent la Discord et tu vois les mecs qui sont là en mode, on est tous ensemble, faudrait peut-être qu'on se mette d'accord. Parce que mettre la pression, c'est pousser vers le random qui ouais. Non, mais, tend vers les fascistes. Oui, mais justement, quand tu mets la pression, normalement, c'est la majorité qui l'emporte. Les fascistes. Kay, pourquoi moi, je suis plus comme Zoul. Moi, je fais plus ça pour voir les alliances. Voir ça qui et quoi. Ah, mais moi, je le mettais parce qu'à chaque fois qu'on met un peu la pression, bon, il y a toujours la majorité. C'est en mode qui. Les gens, ils se poussent, ils font, allez, on y va, allez quoi. Ouais. Kay, est-ce que c'est pas évident que tu me le laisses pas? Bah non. Ah non, mais rien, mais regarde, mais c'est mort de faim! Eh, mais Hitler, quoi, ça toujours plus, quoi! Pas, en fait! Redis, t'as dit quoi? Vers Zoulou? Ouais, Zoulou. Franchement, attends, on va voir. Pourquoi Zoulou? Donc là, vu que tu dois mettre oui, je mets non, alors, ça se passe. Mais mettez ce que vous souhaitez. Rigole, en fait, je dirais oui, juste parce que là, il commence à faire des strats, c'est-à-dire qu'il est gentil quand il fait des strats. Tout à l'heure, j'ai pas fait de strat, j'étais gentil aussi. De toute façon, tu peux pas lire en moi parce que même moi, je ne sais pas lire en moi. Ouais, donc, ça bien joué, Zoulou, frère. Bien joué. Choisissez. 3, 2, 1, retournez. Et oui, bah, ça passe. Pas, pas, hein. Il faut l'unanimité, c'est ça? Bah, ouais, ça passe pas. La majorité, pour la majorité, oui. L'unanimité, non. L'unanimité, c'est pas oui, oui, c'est vrai. Ah, mais ouais, on est à peine. On est sur le sport, c'est la majorité, hein, quasiment sûr. Oui. Ah oui. Oui, sinon, c'est pas. Et donc là, on n'a pas le choix. Je sais pas lire en toi, c'est horrible. On a pas le choix. Là, on a. Tiens, bien, pire, je veux. Pas le choix. Moi, je compte. En fait, ce que je veux dire, Sky. Donc attends, ce que je veux dire, c'est. Sur The Resistance, je crois que je comprenais un petit peu mieux le play. Mais là, pourquoi voter non? En fait, il y en a que 3, j'avoue que c'est pas. Surtout au début, où de toute façon. Les mecs vont c'est bluffer, pas vraiment. Enfin, voilà. Je suis d'accord. Je vais mettre oui, je vais mettre non. Pourquoi pas? Bah, c'est juste tu chopes des infos, de l'info. Mais non, parce que l'info que tu vas choper, elle est. C'est un feeling quoi. L'info que tu vas choper, elle est pas. Elle est on pas... Y va. Moi j'ai mis oui. C'est un petit main. Mais parce que je voulais que le jeu avance et que de toute façon la première on sait rien. Au moins on a des infos. Je préfère avoir des infos que avoir rien en fait. Ouais, le truc c'est qu'on a déjà eu des infos sur le premier tour. Là, en vrai, j'avoue, ce qui est chiant c'est qu'il sait que 3. Et en vrai, faire un non c'est ok, faire deux non c'est chiant. En fait, là ça a servi à une seule personne. Lui. C'est Nems. Parce que non, là, soit on, en fait, soit on valide ton vote, soit on fait un random. Soit on est dans l'anarchie, complètement. Non mais les mecs, non mais je... Bah dis-moi que c'est pas le cas. Mais je m'en fous d'être président. Ah mais c'est con, mais c'est sur toi quoi. Je parle juste de Theorycraft sur le côté. Je suis d'accord, je suis d'accord. Est-ce que là, c'est plus léger dans celui-là de dire je mets non dans les deux premiers tours? Je suis pas sûr. Bon allez, c'est parti. T'as choisi qui en chancelier? Je vais mettre... Je récupère. Tiens. Vas-y, à boule, moi je veux bien chanceler. C'est bon. Olivier a l'air ok. Julien, gentil. Avec tout ce qu'il nous a fait. Après, ouais, justement, il peut utiliser mon image de gentil pour me piéger. Bon, allez, on va c'est vrai. Tu lui feras un procès. Tu joues au poker ou mais putain, image mais c'est quoi cette haine? Mettez oui, là, hein, parce que sinon, c'est au hasard. Ouais. Dis rien, comme ça, celui qui est dedans. 3, 2, non, mais t'as raison. 1, c'est parti. T'as raison. J'espère que quoi? C'est un troll. C'est une stratégie de pas donner d'infos. Je mets tout le temps non.
S'il a mis tout le temps, oui, la première fois. C'est une strat comme une autre. Je mettrai tout ton nom, comme ça, il n'y aura pas d'infos sur moi, quoi. C'est vrai, zéro info sur toi. Comptez sur moi pour les autres. Non, tout le monde fait pas ça, parce que sinon... Bah ouais, mais bon. Pardon. Comme ça, mais si c'est un, si un moment je mets oui, là tout le monde se demande. Quoi, bien. Tu savais quoi? Bah non. J'ai eu un petit peu peur. J'ai eu un petit peu peur. Il a commencé. J'en avais deux. Hein. Il a commencé à faire de ce côté. J'ai fait enculé. T'avais deux en quoi? T'avais deux bleus ou deux rouges? Allez, non, deux bleus. C'est gagné. Deux bleus. T'avais deux rouges. Deux bleus, t'as dit, je crois. Non, t'as dit deux bleus. T'as dit deux bleus, non? Non. T'as dit deux bleus. C'est pas grave. Non. T'avais deux rouges et un bleu, c'est ça? Oh là là. Aïe aïe aïe. Comme ça, tu sais très bien quand je suis gentil, quand je suis méchant. Non. Allez. Ok. Sky. Nice Sky. Olivier. Désolé Olivier. Ça sera un nom. Mais de toute façon, tu vas dire que t'as juste tronché. Ça sera un nom Olivier. Parce que déjà qu'il m'a fait peur, l'autre vilain à faire. Moi j'ai assez confiance en Olivier. L'autre vilain, il a dit. J'ai fait aucun mouvement brusque. Deux. C'est bon. Un. Attends, mais attends, c'est qui? C'est mon. C'est Olivier. 3, 2, 1, révélé. Ça ne. Ça passe, ça passe. Attends, donc toi t'as... Attendez, remballez pas trop vite. Rivenzi et Vittel, pourquoi non, ouais, sur cette équipe ultime Ultime. Ultime. Ça va, t'es pas si joué aussi, hein. Et toi, depuis tout à l'heure, tu fausses pour être chancelier, quoi. Oui, déjà d'une, et puis je veux continuer à faire tourner le rôle de président pour voir qui choisit. Il a juste envie de jouer. Oui, moi je veux jouer. Il est brave. Laissez-le, Olivier. Il est si jeune. J'ai failli le tester, j'ai pas testé. Ah non, j'ai spoil, mais... J'ai failli le tester. En gros, j'avais... Testé quoi? En fait, quel intérêt de pas me tester? Parce que comme ça, je suis sûr que tu mets pas la mauvaise. Ah ouais. Ah oui, d'accord. C'est genre, deux voilà. Si j'avais deux bleus et une rouge. Et en gros, au début, j'ai acheté la bleue. Mais si pour le tester, je fais non. Ça, c'est, en fait, je pense que c'est useless, là. Actuellement, en fait, je pense que si je te teste, tu vas quand même pas le faire. Et si je te teste et que tu dis que tu m'as filé deux rouges... Moi, ça va être toi contre moi, tu vois ce que je veux dire? Oh là là, et comme oh là là. Le duel de titans. Et comme t'es un mauvais menteur, si jamais tu veux me baiser, tu dis juste j'ai menti et les gens vont te croire quoi? De toute façon, donc dans tous les cas, je suis foutu. Donc, Surtout mais que t'as une force physique bien supérieure. Ça, par contre, bah, c'est pas sûr. Ouais. Après l'entraînement de Dina, je peux te dire que j'avais du mal au cul. On parle plus. J'ai tout donné. C'est parti ou pas? Ah oui, c'est vrai qu'apparemment, on m'a dit. Ouais, le tir au flanc, il est là. C'est un nom. C'est un nom qui nous est proposé. T'es pas pour vous de pas. C'est un nom. J'ai tout donné. T'es pas Zizou. Olivier de Magic Corporation. Écoute à moi. Alors, ta notion de tir au flanc. Alors, je vais choisir en chancelier. Je suis Olivier de Magic Corporation. Donc, j'ai pas le droit de te choisir, toi. Je suis refait. Non, prends Magic Corporation. Zina, tu veux être chancelier? Il a mis un bleu. Zina. Pourquoi Dina? Par contre, du coup, on en a déjà. Pour l'instant, on a une alliance bénéfique qui marche plutôt bien. Oui, oui, mais ce que je veux dire, c'est que vous avez jeté un libéral, vous là? Quoi? Vous avez dû. Ah ouais. Ah ouais, aïe aïe aïe. Moi je mets non. Allez, bah ouais, on sait, on savait que Zul c'était bon, donc on fait de la merde. 3, oui. 2, 1. Attends, Zul. 3, 2, 1, c'est parti. C'est perdu. Ah, ok. J'ai pas confiance. Qui a mis oui? En fait, gardez juste 3 secondes qu'on puisse. Parce qu'en fait. Donc vous... C'est encore les... Ok. Toi aussi t'es un stratégique. On sait que Zul c'est un... Pourquoi tu le remets pas? Juste, je veux pas... Zul il aurait pu être... Zul est un garde Zul. Qu'est-ce qu'on en sait que Zul est gentil? Bah... Qu'est-ce qu'on en sait que Zul est gentil? Oui, il est peut-être pas gentil. Moi je suis d'accord avec lui, vous avez pas encore assez d'infos mais... Je veux dire qu'il a une tête de gentil quand même. Par ton attitude t'as l'air gentil. Oui d'accord, mais ma question c'est pourquoi Zulu serait plus gentil que Dina? Mais il me l'a donné. Ouais, je sais pas. Il a mis un... Il me l'a donné, ok? Il l'a donné, ok? En gros, dans ma tête, juste Zul est gentil, donc pourquoi prendre n'importe qui que Zul, en fait. En fait, le truc, c'est que le ghost pour pouvoir tester quelqu'un, il faut avoir un nombre d'échantillons intéressant. Et du coup, si t'as déjà un échantillon sur moi et que tu me réutilises, ouais, tu peux essayer de... On te presse tout ton jus. T'es un citron. Bon, j'ai choisi Dina. Prends la source, mon pote. Pourquoi Dina, tout d'un coup? Je sais pas, Dina, elle avait la garde. Dina, elle est full hype. C'est la bonne. Mais je sais pas pourquoi vous doutez de moi. 3. Attendez. Mais peut-être parce que j'ai pas commencé en réalité. Tout à l'heure, il a bien menti. Mettez une carte. Oui, parce qu'après, oui. 3, 2, 1, c'est bon. Pourquoi... Ouais, même toi. Mais tu... Ah, il l'a fait. Je mets non, quoi qu'il arrive. Insupportable. Quoi qu'il. Il met non même quand c'est lui. C'est une strat. Vas-y. Ouais, enfin. Il y a le joueur de poker un peu. Si t'es gentil, t'as aucun intérêt d'adopter cette strat. Bah si, comme ça... Sinon, ça allait arriver. Tout simplement illisible. Fasciste. Quoi? Je suis illisible. Excusez-moi. T'avais quoi, Xari? Moi, j'avais que des rouges. C'est facile à ce compte-là.
Mm-hmm. Oh, ce sourire. Mais Sky, chancelier. Tu peux le tuer, s'il vous plaît. Mais Sky, chancelier, parce que je sens que t'es gentil et que. Vas-y, si tu veux. On va faire un truc sympa ensemble. On va avoir un bon mandat. En plus, si jamais on n'a pas bon, t'as un pouvoir qui permet de. Attends, pourquoi tu veux. Ouais, non, si Sky. Sky, gentil. Ouais, ça passe pas. Il y en a un des deux qui est. Mais je le sens quand même mieux que la game d'avant. Riff. Pas sûr. Riff, t'es méchant ou t'es méchant? Attends, j'ai vu mes noms. Je suis gentil. Riff, t'es gentil ou t'es méchant? Je suis gentil. C'était dur la première parce que j'étais méchant. Là, c'est plus simple donc parce que je suis gentil. Bah, tu joues pas. Tu joues différemment de la première. C'est pas plus dur parce que c'est juste la deux. T'es un chanteur des années 70 aussi? Regarde-moi, Riff. T'es gentil. Oui. Let's go. Ok. C'est oui. Chacun met une carte. Vitaly, donc la tienne. 3, 2, 1, on révèle. Ça passe. Ça passe. Ok. Let's go. Un peu plus de filles autour du micro. Ah, je suis gagné. Alors, je suis trop sympa du tout. Non, mais qui a voté non ici? Xari, moi et moi. Ouais, moi je le sens pas. J'assume totalement. Moi j'ai failli voter. En vrai, même si je suis dedans, j'ai failli voter non. T'inquiète, tu parles pas pendant les votes, tu peux poser le micro. Pour moi, safe. Ça marche. Je te vois bien. Vas-y, choisis vite là. Qu'est-ce que t'attends là? Qu'est-ce que tu réfléchis? Il a beaucoup hésité. Pourquoi tu réfléchis? Mais non, mais il avait le micro dans les mains. Je te jure. Non mais Je te jure que j'en avais. J'avais 3 ans. Non mais. Mais non, j'en avais 3 ans parce que j'avais mon micro. Non. Je te jure que c'est vrai. Si c'est vrai. On ne l'avait jamais fait. Non, c'est vrai. Je te jure que c'est la régie, tu vas dire. En vrai, Sky. Tu me lis comme dans un livre ouvert, non. Je te jure mais que non, avait mais non, c'est vrai, il était comme ça. Quelqu'un en fait, il a vu très vite, mais il en avait. En fait, j'ai galéré, après j'ai repris juste voilà. Bon, pour bien que personne ne voit et j'ai reposé. Bon, tu regardes, sûr que j'en avais trois. Quelqu'un se fait instrumentaliser techniquement par l'opposition. Il reste juste un truc, techniquement, il en reste trois. Bon, c'est en vrai, vous verrez, mais tu regardes, tu peux regarder un rôle. Je vais regarder le rôle de Xav. Attends, parce que. Oui. Ah. Oula. Non bah oui. Attends par contre, est-ce que c'est plus worse que Xari? C'est trop tard. Qu'est-ce que tu fais? Ah ouais, ok, waouh. Wow. M'a fait peur. Ouais, ok, je crois que t'allais rire. J'ai eu peur. En fait, c'est celui que j'ai le plus de mal à lire et. Rigole, mais je suis en mode c'est quoi jaune? C'est méchant ou gentil? Attends, jaune, c'est quoi jaune? On verra. Ah non, mais commencez par faire la même chose. Xari a fait la même chose tout à l'heure, il était méchant. Non, hein, je peux me dire. Est-ce qu'il est fait? Le président a un message à nous dire. Xari, je dis devant la plèbe ici réunie. Qu'est-ce qu'il dit? Devant le Reichstag. Il est gentil. Et il est libéral. Et ouais, les gars. Il est pas gentil, il est libéral. Alors? Vous y croyez pas, hein? Bah non! Vous y croyez pas et pourtant je le suis. Ça veut dire qu'on serait encore une fois tous les deux fascistes. Probabilité qui semble assez faible. Pas tant que ça, du coup. Zoulou! Xari. Méfie-toi. Ah oui, d'accord. Tu peux pas parce qu'il était. Non, si. Qui Attends, Zoul, c'est Sky. Zoul, il y a forcément un deux qui a menti. Forcément. Justement, on va savoir. Ouais, mais je pourrais pas trop savoir. C'est ça, Strat. Vas-y, allez. T'as mis Xari Oui, bah non. Salut, les gars. De toute façon, ça va pas passer. Donc. Toi-même, tu vas mettre non. Bah oui. J'en ai marre de. Vitel, ta carte. Riv. Allez, go. 3, 2, 1, révélé. Après. Attendez. Tout le monde a mis non, sauf les deux là. Bah non, même toi, bon, toi, t'es normal. C'est normal. Okay. C'est normal, tu votes pour ton propre vote, c'est ce que t'as dit. Bah oui, il est gentil. C'est pas une preuve. Au moins, t'es cohérent, mais ouais. Après, pour une échange, je sais pas, tu vois, pour le coup, mais je sais que Xari est gentil, donc voilà. Ça m'aidait à dire oui. Pour le coup. Ina. Non, je suis d'accord. La team gentille. Non, c'est vrai. On est marre. Oui, mais si t'en fais trop, ça devient ouais, la team gentille. Non, mais en vrai, il y a eu fasciste aussi avec eux, il y a eu vachement moins de suspicion quand même. Hein. Donc, moi je veux bien. Vous avez mal joué là-dessus. Hein. Je dis juste un truc, pourquoi? Attends, juste un truc, c'est que le dernier mec a dit que. Qui a mis du temps en mode. Oh, je sais plus c'est quoi son rôle. Ah, il est gentil. Bah, c'était un méchant. Hein. Il était juste 100% méchant. Hein. Ça pue. Ouais, mais ça pue. En fait, le truc, c'est que là, on a une liaison. On a une liaison entre les deux, c'est-à-dire que Rivenzi a une info sur Xari, Xari paraissait déjà paraît méchant serein. En plus, et le truc c'est que moi je suis gentil, je peux décider d'aller tester Xari, de voir comment il réagit, et avoir une info sur les deux. T'as raison. Ouais mais là, est-ce qu'on n'est pas au moment... Mais je pouvais pas l'expliquer et le faire. Mais est-ce qu'on n'est pas au moment tant de marche que où ça on veut juste... Aller full en mode libéral et juste faire confiance à ce. Ouais, le truc qui est chiant, c'est que c'est là, on met une fasciste, après Hitler. Après, c'est attends, il reste combien de lois libérales?
Il y en a 7, c'est ça. Là, il en reste 3 normalement. Mais il n'y en a pas 7. Oui, normalement. Et si, il en reste. Bah, si moi j'ai eu 3 fascistes. Oui, oui, t'en as eu 3 fascistes. Allez, attends. Je t'assure, j'ai eu 3 fascistes. 6 au total. 6 Là, il en reste 3. Mais non. Pourquoi 3 qui en a défaussé une? Parce que moi j'en ai eu 2. T'en as eu une. Il en a 3. Ah, t'en as eu 2, t'en as défaussé une toi? Non, j'en ai eu 2. Non, tu peux pas. Ah, d'accord. Ah, si, tu peux. Merde. Tu peux, non? Tu peux. Juste qu'il a été présent, mais pas. Non, tu peux, tu peux. Ok, ça me va. Bon. On est à combien? On a un fail et après c'est Beetle. On a un fail et après c'est forcément Beetle. On a quoi sur Beetle? On a quoi? Allons le renseignement. On a quoi sur cet homme? Non, t'as pas parlé depuis le début. Votez les gars, votez. Bon. 3, 2, 1. Riff, t'as dit quoi sur Xari? T'as dit qu'il était méchant. Non, je dis qu'il était gentil. Ouais, allô les RG, on a quoi sur Vital? La Stasi, okay. La Stasi. Parce que j'ai un doute sur vous, sur toi aussi, parce que la seule fois où vous êtes allé avec Olivier, bah, vous êtes tombé sur fasciste. Moi, il y a des doutes sur moi, donc j'ai aussi des doutes. Mais sur vous. Moi, je pense que méchant entre les deux, c'est Rivenzi. En fait, regarde, pour moi, les deux, ils ont eu soi-disant 3 libérales de suite. Alors, c'est possible, mais c'est peu probable. Et à moins qu'elle t'enfile 2. Est-ce que t'as fait. Si elle file 2 libérales, c'est possible, tu vois, mais. Bon. Ah, t'as filé 2 libérales ou pas? T'avais 2 libérales? Non. Bon, à mon avis, il y a 2 méchants. Il y a un méchant là parmi deux. Mmh. Je pense qu'il est vraiment gentil. Mais je pense que lui, il est méchant. Mais en fait, le truc, c'est que s'il est gentil, pourquoi ça sera de faire toujours non, quoi. Pour moi, ça tend vers un méchant. Mais non, mais pas non. Je pense que c'est vrai, c'est dans les deux cas. Ça peut être bon comme ça peut être mauvais. Pour moi, c'est rien de méchant. Mais en vrai, je t'assure, Sky, que j'ai eu 3 fascistes et j'ai eu mauvais timing. Enfin, non. Ah, faut switch. Ouais. Alors moi, après ça se trouve t'as pas menti et t'as juste pas de chance. Mais j'avoue que je te crois pas du coup. Je te crois. J'allais dire. En vrai t'es peut-être gentil, mais je te crois peut-être. Bah ça veut dire que je te crois pas. Peut-être. Non. 50-50. Non. 50-50. Je pense que Rivenzi Zulu est 100% gentil. Je pense que Rivenzi est méchant parce qu'il a mis non sur le vote alors qu'il sait que je suis fondamentalement gentil. En vrai. La strat que j'ai faite, je l'ai expliqué, ça peut pas être un move de méchant. Ou alors, enfin franchement, je suis un putain de boss et je te jure, je vais me pépon. Mais ça, personne n'y croit. Tu peux être méchant. Alors qu'en fait, ta queue est comme ça. En fait. C'est une énorme bite. Alors, je voudrais juste les libéraux. Il est où, Louis, là? C'est quoi l'histoire? T'as plus besoin, de toute façon. C'est quoi l'embrouille? Peut-être que je vais mettre un oui. Hein, mais en plus, c'est vrai que tu l'avais mis de côté en disant je. Non, c'était la game d'avant, j'ai dit je mets mon oui. Ah ouais, ouais. Attends, vas-y, je. C'est pas ça. Alors, finis à nouveau. Non, c'est un. Retrouvons-le à la fin de la game. Il y a un ballot. Il est là. C'est bon. Ok, c'est bon. Vas-y, allons-y. Alors, ok, ma théorie, avant qu'on passe au vote, c'est que si jamais vous ne votez pas pour Beetle et moi, après ça passe à Nems ou à Sky, et que moi je les sens pas. Pardon? Je peux le redire. Je les sens pas. Ça veut pas dire. Non mais moi, je suis d'accord. Ça veut pas dire. Pardon. Aidez-moi. Ça vient d'où ça? Ça veut pas dire que vous êtes 100% des méchants. Pardon. J'ai juste. Pardon. J'ai juste dit que j'avais un doute plus prononcé sur vous que sur Beetle. Voilà. Moi je pense que dans les trois là, il y a 2 méchants. Moi je crois pas du tout en Nems. Je pense que Nems, il en fait trop. Pardon. Dans la rue. Bon, je pense que pas du tout. Mais il y en a peut-être au moins un. Bref, il y a une santé, espèce d'enfant. Donc je pense que dans là, il y a au moins un méchant. Merci. C'est Juan Luscari. C'est un déconné. Allez, bref, les libéraux, votez en conséquence, s'il vous plaît. En âme et conscience. Ou en conséquence. Mais attends, ça peut être du bluff. Bah oui. Je sais pas lire en toi donc. En vrai, moi j'ai confiance en Beetle. Non, Zulu, t'en penses quoi? Zéro. Bah, on a aucune info sur Beetle. On a aucune info sur Beetle. Moi je. T'as mis quoi, Zulu? Je mets comme toi. Ah bah non, je parle vraiment. tu le sens comment? Ben, Nems. Moi j'ai mis une libérale quand même, je dis ça, je dis rien. Pire rien. C'est très lit, ça veut rien dire. C'est très bien pour nous, gentil, mais pour toi, je sais pas. Mais toi, j'ai des doutes un peu, moi. Ok, je comprends. Pas de problème. 3, moi je pense à toi. 2, 1, révélé. Pardon. Sacré move. Nems, c'était donc pas là, c'est d'accord. On a allez. D'accord. C'est le moment d'avoir des infos. Ah, je pense que. Bah, moi j'ai un doute sur Beetle. Olivier. Se peut qu'Olivier soit en masterclass. Aussi. What? Attends, il a pas regardé? Je suis pas bon en mensonge, franchement, vous le savez. Je suis pas trop. Je pense être pas trop mauvais pour essayer de détecter ma chance. Qu'est-ce que t'as fait, Olivier? Ah non, mais c'est lui le président. C'est lui. Il a défoncé. J'en ai posé une, tu vois. Oui. Non, non, mais en fait, j'ai cru qu'il. Moi aussi, tu as dit en mode pardon. T'es en masterclass, Olivier? Toi aussi, on est d'accord. Je suis en masse. Non. Bah si, t'es en masterclass. T'avais quoi? Peut-être que c'est la masterclass ultime.
T'avais deux rouges. C'est-à-dire qu'il en reste encore deux. Okay. Bien joué, monsieur. C'était un très, très beau mandat. C'était une belle loi. 5 secondes de mandat. Non. J'aurais même pas te le filer, tu vois. Mais là, il sait que la probabilité d'avoir 3 rouges, elle est élevée, donc il va te baiser. Il va te baise. Je sais pas. J'aime passer des bonnes games. En fait, enfin, les gentils. On passe. Il y a un pouvoir. J'arrive. Bitel, on a gagné. Tu peux voir, c'est quoi, c'est lui l'ancien président. Tu as reveal. On va pas prendre Bitel. Ouais, mais en tant que président, je vais vous virer les deux fascistes. Oh, non, je peux pas envie de dire. Sky, c'est quoi le pouvoir là sur la fasciste? Il choisit le prochain président. Ah, choisis pas, ok. C'est fort. Quoi? Il choisit le prochain président pour un tour. Ah, mais le truc des trois cartes, c'était. Non, c'était c'est quand t'es à moins d'un autre. Après, il choisit le président, mais tu peux skip. Donc, c'est un pouvoir naze. Ah, ok. C'est un pouvoir nul, ouais. T'es sûr que tu peux skip? Ah oui. Ouais, sinon, il choisit le président et il force le vote. Tu vas prendre qui en président? C'est le principe du pouvoir, quoi. Peut-être, ouais. En vrai, t'as peut-être raison. Hein. En président pas, hein. Je sais pas, mais je check si au cas où. Peut-être off. En vrai, t'as raison. Parce que c'est vrai que sinon, c'est nul à chier. Toi, j'ai pas envie de te prendre parce que t'es. Voilà. Là-bas, ça pue. Oui, d'accord. Bon, bah là, tu t'es reveal, mon pote. Hein. T'as dit, t'as pas envie de me prendre moi? Oui. Bah, tu viens de le mettre chancelier? Oui, juste parce qu'il me casse les couilles. Ah bon? Il a rien, t'as rien mais dit moi, avant. Par contre, j'ai confiance en Zulu. Ouais, moi aussi, j'avoue. Mais je sais, c'est pour ça que je le mets chancelier. 3! Mais je. Chacun met une carte. Tu mets une carte? J'ai une carte. T'es sûr que c'est pas. Votez non, votez non. 3, 2, 1, votez. Oh zut! C'est étonnant! Il y a moyen tellement que ça. Skyar! Que ce soit là. Tu prends moi, qui? Je prends Zulu. Tu quoi que ce soit moi? Non, tu me mets président après ou pas? Si jamais il y a une fasciste, tu me mets président après ou pas? Ah, ouais, si tu veux. Ça va. Uniquement dans ce cas, je vote oui. Enfin, on s'en fout. On vient de dire que le pouvoir était naze parce que de toute façon, on pouvait voter non derrière. Donc, évidemment, qu'il va te dire oui, même s'il est méchant. 3, 2, 1. Et 1. Ah, ouais, vous y. Ok. Bah, c'est couillu quand même. Hein. J'ai plus confiance. Oui, mais j'ai plus confiance en Sky ah ouais et puis en Zulu. Bah, Nems, je sais pas. Oh, j'ai deux. Je n'ai pas le choix, je dois mettre une fasciste, c'est évident. C'était un peu ce qui tournait. Après, niveau escamade ça, c'était pas un peu. Genre, plus. Un déminage. T'es obligé. Je te mets président. Et donc là, si jamais. J'ai pas eu le choix, évidemment. J'aurais dû savoir un truc. Si jamais, donc, mettons qu'on vote non, ça revient à moi ou ça va skipper Ah, en fait, ça va peut-être skipper en vrai. Je sais pas si c'est marqué en fait. Parce que c'est marqué as usual, machin. Mais... Franchement, joue-le si tu veux gagner. Bah, techniquement, alors, je dirais non. Je vous lis tout. Vu qu'après, the president chooses any player at the table to be the next president by pacing that player. Donc en gros, il file la truc. Le mec, il devient président. C'est une élection normale. Et il est devenu term limited. Donc en fait, ça reprend un cours normal après le jeu. A special election does not skip any player. After a special election, the president can return to the left of the president okay. Who elected the special. Ok, c'est ce qui me semblait, hein. C'est juste pour un tour. En gros, ça revient à moi. Franchement, Zul, je suis 100% clair. Ça revient à toi. Non, mais... C'est de la merde. Je suis vraiment 100% mais ça sert à rien de dire ça parce qu'en fait, en disant ça, tu te mets le doute sur toi. Genre, personne, tu peux pas prouver que t'es 100% clair. Zulu, je suis 100% clair. Zulu, il est 100% clair. Des trucs libéraux pour le coup. De toute façon, même si tu fais élire que des libéraux et que t'as mis les 4, t'es pas 100% clair. En EMS. Sachant que là, si tu mets clair, on a perdu. Hein. Juste au cas où, quoi. EMS, c'est fou méchant, hein. Prends le pas. Moi, je pense que Bitel est méchant, mais. Si tu mets Hitler, on a perdu. Ouais. Mais s'il élit Hitler en chanson. Mais Olivier. Et là, on sait pas encore qui est qui. D'accord. Juste parce que je joue au Magic, tu veux pas me donner le moi, chance. Moi, je pense qu'Olivier, en vrai, je pense qu'Olivier, c'est le plus safe d'entre nous. Hein. Ou moi, mais. Je suis assez safe aussi, j'avoue. Non, mais non. Moi, non, je dirais bien non. Dina. Oui. Et pourquoi Dina, okay. Dina oui, non, oui. Non, non, oui. Mais pourquoi pas moi? Non, non, oui, oui. Parce que je suis pas certain de Xari, et du coup, vu qu'il influence vers toi, je doute. Ok. Bah écoute. Et que tout à l'heure, quand. Attends, j'ai pas dit que je. Xari est clean, j'ai regardé son nom, il est clean. Okay. Bah on doit arriver mais à cette situation. Et quoi? Non, mais je suis pas contre toi, arrive à cette discuter avec eux. Non, en vrai, allez. J'ai là, beaucoup, les Hitler, là, non. En vrai, ça rend fou, c'est insupportable. Bon. Je suis pas Hitler. Parce que j'ai pas m'inventé un. Vote oui, je t'explique après. Votez oui, je vous explique après. Moi, je fais ce que le président me dit. Bah, y'a rien à expliquer. 3. T'es sûr? Attends, t'es sûr? Ouais, c'est bon, c'est fait. Après, t'as un pouvoir de. Sky, je t'ai baisé en te forçant à me. 3. Être président. 2, donc t'es obligé 1, de voter oui.
Oui. Mais tu vas pas baiser. Hein. Tout le monde à l'unanimité, là, je peux l'utiliser, là. Masterclass, bon. Tout ça pour révéler trois fois. Zoulou est peut-être en masterclass. Hein. Oui, il est en train juste de nous fumer. Et il t'en manque une, là. Non, non, j'en ai trois. Ah, c'est normal qu'il reste trois. Ah oui, parce qu'il y en a. Ça fout le clean, en fait. Est-ce que c'est une win des libéraux? 3, 2, 1. La salope. Il y a pas d'intro. C'était Obvious. Pourquoi t'as choisi elle? Il y a pas d'intro. T'es Je t'assure, Mais attendez, Zoulou, explique. Il y a un pouvoir là. Oui, tu peux tuer quelqu'un d'abord. Attends, stop. Évidemment qu'on tue pas Dina. Attendez, c'est pas Dina. On est d'accord, si jamais c'était Hitler. Par contre, juste explique pourquoi t'as pris elle vraiment. Parce que j'avais pas de doute et je me suis dit. Si elle met une fasciste. Enfin, si j'ai le choix, si elle met une fasciste, ça veut dire que moi j'ai un pouvoir. Et derrière, façon, la présidence revient à Olivier. Si elle, elle est méchante, il y a beaucoup moins de chances que du coup Olivier le soit. Et du coup, on a la main en tant que gentil. Sauf que par contre, si elle était Hitler, on avait perdu. Je te donne. Ouais, c'est ça. C'était quand même tendu, quoi. Il y avait un petit risque. Mais c'est quelqu'un de confiance. Oui, moi, j'avais ma confiance. Mais sûr, c'est sûr. On est sûr. C'est sûr. Je pense qu'il est pas Hitler parce qu'il a. Moi, je pense qu'il a trop mal joué. Donc, je pense que Hitler, c'est l'autre. En gros, je pense que c'est pas ces deux-là. Je pense qu'on a déjà deux méchants. Truc à dire ou non? Vas-y. Non, mais façon. Dina, un mot à dire? Façon, c'est sûr, t'es méchant parce que t'as même pas réagi au fait qu'elle était méchante. Là, t'étais vraiment dans. J'ai pas réagi. Mais tu es méchant, frère. Moi, je pense la question, c'est est-ce que tu es Hitler? Je te jure que si t'es gentil à la fin de la game, on rinait une crash test en même tiré. Y'a pas de problème. Je te pépons ici. Ok. J'ai une dignité. J'ai juste une probabilité d'avoir trois fascistes qui m'a mis dans le fond de la game pour le reste de la partie. Alors qu'en vrai, je suis clean depuis tout à l'heure. Essayons de se souvenir quand elle était d'accord pour les. Sur qui Dina était d'accord. Parce qu'on est sûr que Dina était méchante. Quand est-ce que Dina. Elle était chaude quand c'était un tel ou un tel qui était pas. Moi je sais pas, moi je mettrais Bittel mort parce qu'en tout cas elle a trop surjoué. En tout cas, moi je n'arrive pas à te lire, Bittel. En tout cas, elle était très chaude pour à chaque fois mettre. En tout cas, Dina était vraiment très chaude à chaque fois pour mettre au fond. Ah bah oui, Rive, c'est sûr. Oh, comme par hasard, t'avais trois fascistes. Oh, c'est fou ça quand même. Hein. À chaque fois, t'étais quand même pas mal aussi là. Moi je serais Bittel et de toute façon, Olivier Chancelier, et il met quelqu'un de safe et voilà. Juste en fait, pour moi, la masterclass, c'est est-ce que tu vas arriver à trouver Hitler maintenant? De toute façon, on a gagné, je pense. En vrai. Sauf si c'est toi, Sky. Deux. Non, franchement. Non, en vrai, je pense. Non, mais Sky, belle défense. Ok, mais. Ok. Non, en gros. J'ai juste que si. Là, s'il y a un seul méchant, du moment que c'est pas Olivier, c'est ok. Oui. Ok. Ah non, par contre, Olivier va devoir voter quelqu'un chancelier. Et qui n'est pas. Et en vrai, il va devoir. Je pense que je vais voter Xari avec 80% de chance que ça se passe bien. Ok. Bon, allez, tue Bittel et finis son ans. Ouais. Allez. Sinon, donc les trois, ce serait eux là. Franchement, tue-moi si ça permet de gagner. Non, pas Bittel, je pense. Bah, tu veux tuer qui? Ça, c'est Bolzi quand même. C'est Bolzi quand t'es hyper bien. Zouzou, tue-moi. Attends. C'est pas Attends. Ok, Bittel, pourquoi tu me dis ça? Je t'écoute. T'as dit quoi? Il m'a dit tue-moi si ça permet de gagner. Pour les libérales. Les libéraux, pardon. Si ça permet de gagner la game. Et si t'es libéral, t'as pas envie que je te tue? Bah non, mais. Apparemment, je me sacrifie en tant que libéral pour faire en sorte que les autres libéraux gagnent. Mais de toute façon, ça sert à rien. Il n'y a aucun intérêt. C'est tout. Mais oui, mais mec, là, le seul tout le monde se dirige sur moi. C'est Hitler et tu veux faire de la psychologie inversée. Non, pour le coup, je suis vraiment pas Hitler. C'est un peu con comme ça. Parce que si t'es libéral, un libéral. On va avancer pour essayer d'en faire une dernière. Mec, Zoulou, je pense que c'est pas lui. Qui tu tues à 3? Attends, je pense que c'est pas Bittel. Vraiment, je pense que c'est pas lui. Tu voterais pour qui? Je sais pas, mais je pense que c'est pas lui. Ah, mais il faut avancer. Non, mais tu Bittel, on s'en fout. Tu pas Bittel, c'est pas lui. Mais pourquoi? C'est pourquoi mais je pense que c'est pas lui vraiment. Oui, mais tu penses. Donc dis pas tu le penses, c'est pas lui. Tu dis je pense que c'est pas lui. Je pense que c'est vraiment pas lui. Tu le comme ça. Après ce qu'on a fait Olivier, tu peux tuer une masterclass. Juste Zoulou. Vraiment Zoulou, faisons juste gaffe. Il y a une personne qui quand même accélère le jeu et en vrai je commence à avoir plus j'ai plus confiance maintenant en Rivenzy quand ça arrive. Tu veux que tu prennes Rivenzy maintenant? Tue-moi! Ok, mon Sky est vraiment chelou. Hein. Peut-être je suis bizarre, mais je pense que j'ai plus de confiance en Rivenzy. Xari presse tout le temps. J'ai aucun intérêt de te tuer. C'est très bien Xari, à chaque fois qu'on reste parler, il est là. Oui. On y va. Bah, alors, je suis perdu, du coup, ça veut dire que les méchants jouent bien et je vais tuer Sky. Quoi?
Ouais, je le sentais. Ah. Ça. Attends, t'es quoi, t'es mort. Est-ce que c'est pas toi? Mais non, c'est pas moi. Bah. Mais c'est parce que t'as trop parlé en fait. Ouais, en fait, ça, t'as ce côté bon, bah, il y a ça. Là, c'est terrible. C'est ta. Après, t'aurais pu aussi tuer Dina en mode. Il y a un vote non en moins. Ouais, mais on sait déjà qu'elle est méchante. Ouais, mais là, s'il y a un mec, un gentil qui est fucked up, ça peut faire 4 noms, tu vois. Non, je pense que c'est bon. Il faut absolument. Ça révèle pas les cartes. Ça révèle pas les cartes. Non, non. C'est juste, c'est pas une carte. Mais t'es où? Moi, je continue de voter. Ouais, bah oui. Toi, tu continues, mais bon. Mais t'es où, il y en a les gentils. 3, 2, 1. Merde. Pardon. Ok, donc méchant, du coup. Attends. Non, je vais expliquer. Non. J'ai eu peur. Parce que. J'ai eu peur parce que vous avez dit. C'est pour nous, ça. Ok, c'est. Non, mais. Attends, deux secondes. T'es Hitler? Non. Écoute. Ça me va. Justement. Riv, il a fait okay. Mettez oui, c'est win. Du coup, je me suis dit, ok, il sait que toi, t'es Hitler. Allez, vas-y, fais les trucs. Allez, avance, on gagne, c'est terminé. Là, c'est passé, là. Oui, c'est passé. Ça, c'est... Attends, il y avait trois noms. Non, t'es méchant. Non. Arrête. Oh là là, c'est Olivier en masterclass. C'est Olivier. Bien joué. Oh non. Oh, tu gagnes bien. Mais non, Olivier. Oh, le boss. C'est juste toi, en fait. Attends, fais voir. Je crois que tu peux tuer, je suis pas sûr. Non, mais ah non, tu dois tuer. Le président, il tue quelqu'un? Et après, il y a le veto, c'est juste qu'il y a le veto. Tu dois tuer. Ah, non, c'était tout. Tu dois tuer. J'étais. Non, je suis un putain de libéral qui fait chier. Qu'est-ce qui s'est passé? Mec, pas nous. Je tue Nem, c'est ce que tu es Hitler. Oui. Yes! J'ai tellement hésité entre les deux là. C'est qui avec moi? C'est moi. Putain, ah, bien joué. C'était qui? C'était vous, quoi? Pourquoi tu m'as accusé de fumier là? Mais en fait. Mais je suis obligé, y'a personne qui frère, parle! Frère, Nems, j'allais tuer toi, et c'est parce que il t'a protégé que j'ai fait. Attends. S'il essaie trop de le sauver, c'est-à-dire qu'ils sont ensemble et qu'il sait que c'est Hitler, et du coup j'ai tué Nems, j'ai tué Sky. Mais s'il avait tué Beatles, ça aurait été ça. J'ai hésité avec Beatles. Par contre, les libérales, elles sont parties dans un assaut. Bah si moi je l'avais tué, vous aviez win. Mais non, en vrai, si tu tues Beatles, ils auraient gagné quand même. Je pense que notre meilleure chance de gagner, c'était qu'il tue Xari. C'est vrai qu'en gros, j'ai essayé de. Mais non, on aurait voté non jusqu'à. Mais non, on peut pas, on est trois. Par contre, j'ai un truc pour les prochaines games. Mais on l'aurait eu avec nous. Pour les prochaines games, quand Sky est persuadé de quelque chose sur moi, pensez ne l'écoutez pas. Parce qu'il savait très bien que j'étais libéral. Et en fait, il faisait que si. Il savait très bien que j'étais libéral. Et du coup, il faisait que m'enfoncer en mode mais non, mais toi, c'est bon, arrête, même pas besoin, t'as pas le droit à la parole, ta gueule et tout machin. Donc, et en plus, il galérait vraiment avec son micro. Moi, je l'ai eu, donc je me suis dit, ouais, c'est clair. En fait, je t'ai vu galérer, il me dit, oh, ça, il me dit. Ah, c'est bon, il tend une perche. Ah, j'ai essayé. On essaie d'en faire une dernière. Donc, je t'ai un peu eu quand même quand je t'ai forcé la main en disant, ok, on fait ça, mais tu me mets président. En vrai, ce qui m'a biaisé, c'est que c'est bien ce qui serait la règle. En fait, je me suis dit, si la guerre, il reset pas. Olivier il est en PLS total. Parce que là s'il y avait pas full reset et que ça repassait pas Olivier, là on avait forcément un de nous trois qui allait être président et crois-moi que ça aurait pas été ouf. Donc en vrai ça m'arrangeait très très bien que ça retourne à toi, parce que si ça reset. Si ça reset pas Olivier il aurait vu tout rouge. Hein. Moi j'ai dit dans les trois il y a deux méchants. Hein. Ouais, c'est au début, je sais. En fait, mais Vittel, moi, à chaque fois, il fait des plays en mode les gars, suicidez-moi pour les libéraux. En mode, mais c'est votre meilleur allié. C'est vraiment trop le bro. La première, c'était Riv qui était méchant. Riv, moi, et. C'était qui le dernier méchant la première partie? Exact. Juste moi, si j'ai influencé pour pas que tu tues Vittel, c'est parce que si tu tues Vittel, ça change rien, on avait perdu. En fait, du moment que Olivier faisait convaincre avec Xari, c'était fini. Moi, je savais que c'était gentil, donc j'étais en mode meurtre. Là, on a que des gentils, c'est juste mort. Donc, il faut qu'il ken Xari, quoi. Donc, j'étais en mode. Non, mais je pense que c'est les masterclass de Xari. Oh, attends, il y avait la mienne encore, désolé. Excuse-moi. Zulu, tu m'as fait peur avec ton 9 à la fin. Ouais, mais c'est parce que je me suis vraiment dit, attends, je me suis fait duper toute la game et là, ils sont en train de valider Xari chancelier. Parce qu'à un moment, il y avait un doute et. Et parce qu'en fait, lui, comme il était méchant, il a que fait m'enfoncer tout du long alors que j'étais gentil. Par contre, en vrai, il y a un truc sur lequel je l'ai défendu alors que j'avais pas envie de le défendre. Je lui ai dit de bleu ou de rouge? Il me fait de rouge. Je lui ai fait non, mais. Ah oui, c'est vrai, tu l'as mis. Mais moi, il a vraiment fourché en plus. Et voilà, il est avec moi, donc à ce moment-là, je suis en mode. Et il est vraiment fourché de sujet, mais j'ai vraiment fou. Non, mais en vrai. Il était normal parce que j'avais entendu le bloc. J'ai vraiment fourché en plus. En temps normal, t'aurais jamais lâché. Oui, t'as fourché, mais j'aurais pas lâché normalement. Je me suis quand même dit. C'est ça que j'ai dit. J'ai dit, bon, allez, on avance. Plus rien. J'étais quand même en mode, bon, c'est ça que Xari est pris. Normalement, en gros, tu aurais pas cette tête. Non. Oh putain. Mais c'était drôle. Ah ouais, c'était drôle. Regarde, mais je vois un pattern, c'est que c'est super chaud. Ce jeu est trop marrant. Quand à chaque fois, il y a soit Zul, soit Sky.
qui sont pas méchants. Parce qu'en gros, vu que vous avez beaucoup la parole, c'est compliqué de vous reprendre la parole. En gros, tu sais, il y a des personnalités différentes autour de la table. Pas, hein, allez-y, hein. Non, mais il y a des il y a beaucoup de personnalités différentes autour de la table. Et je vois qu'il y a un certain pattern suivant telle ou telle personne qui est méchant et qui est gentil, tu vois. Fait la nuit, je crois. Ça, c'est pas les viewers, je pense que vous le voyez pas mal aussi, parce qu'il y a certaines personnes qui parlent beaucoup, etc. Et des fois, quand il y a une personne qui est méchant et qui parle beaucoup, on voit vraiment une différence dans le jeu, quoi. Je pense qu'il faut faire la nuit là. Je suis d'accord. En fait, on va en avant, donc on essaye de. Let's go. Dodo. Hitler lève le pouce. Hitler lève le pouce, ferme les yeux. Et les deux fascistes ouvrent les yeux. Allez, Dina. Comme toujours. Encore une. Tout le monde se voit, nickel. Hop, les fascistes ferment les yeux. Hitler baisse le pouce. Ok, ouvre les yeux. C'est parti. Oh là, Zary, Zulu qui était tellement plus réactif dans cette game. Tu mets en chansonnier. Ouais, alors que les Gendarmes, il était comme ça. J'ai oublié ce qui s'est passé. Rigole, mais t'as rigolé dans le début, ça c'est de la merde. J'ai fermé les yeux à dernière seconde et du coup. Rive, Xary t'a proposé en chancelier. Exactement. Pourquoi Xary il a déjà été. Non, c'est moi. Je venais de finir président, donc c'est Xary. Moi j'aurais dit Nems, il a pas joué la game d'avant. Oui, mais c'était un perdant. Oui, c'est clair. De toute façon, c'est un perdant. C'est quand la game d'avant. Ton personnage était pas très. Voilà. Bon, allez, go. Oh, un wiki passe ? Non. Mais non. Attends, si. Bah si, ça passe. Il y en a 5. Oui, ça passe, ça passe. Ah oui. Oh, alléluia. Merveilleux. T'as mis non, Zul ? J'ai mis oui. J'étais pas prêt. Putain, mais quel enfer. Pourquoi tu voulais mettre non ? C'est quoi ? Tu voulais mettre non ? Bah, j'ai pas eu le temps de réfléchir. Ouais. Ok, les deux sont gentils. Info sûr. C'est pour les next. Au moins, c'est clean. Est-ce que. Je lui ai donné deux rouges en plus et il a réussi à m'en sortir. Est-ce que ça. Tu as filé quoi ? Une de chaque. Et j'avais deux rouges et une bleue, j'ai enlevé une rouge. Le boss. Et du coup, bah, trop fort. Bah, c'est la situation. Président, Riff, qu'est-ce que tu veux prendre comme chancelier ? Bah, je vais prendre Nems comme chancelier. Très mauvais choix. Bah, non, mais c'est parce qu'il a envie de jouer. Ouais, je peux enfin jouer. J'ai aucune. Attends, faut idée. Que ça passe, mec. C'est normal, hein. Je n'arrive pas à te lire, Vittel. Allez, 3, 2, 1, let's go. Ah, quand c'est moi, ça passe jamais, hein. Ça passe pas sur Nems. Désolé, bro. T'as fait deux games où t'étais méchant. Oui, bah, jamais 203, comme on dit. Bah, voilà. Bah oui. Président Zulu, qui veux-tu comme chancelier ? Gentil, bon. Je suis vraiment gentil. Président Zulu. Eh, frérot. Eh, Zulu. Zulu. C'est le début de partie. Peace. Quoi vraiment. Que tu réclames jamais en plus. En vrai, là, justement, je réclame jamais. Mais justement, là, j'ai envie. C'est le tour hontaise de là, toute façon. Là, je veux m'y gâter, regarde cette game. Là, j'ai perdu la game d'avant, on y va là. Non, je suis gentil, je suis vraiment gentil. Ok, tu peux. Écoute, c'est par sécurité. Tu peux ne pas me croire, mais vas-y. Il nous reste 15 minutes, il faut mais la jouer en blitz. Par sécurité, c'est moi. Vas-y, tu me saoules. Merci, mon ami. Non, je suis vraiment gentil, je vous assure. J'ai jamais demandé le chancelier, jamais, never. Never ever. Ouais, c'est parce que t'es méchant. T'es ouais, mais non, c'était méchant. Ah, mais justement, parce que cette fois t'es méchant. Ça fait oublier. Bon, allez, go. Attends. Sky, t'es gentil ? Oui, t'es vraiment. 3, 2, 1, c'est bon. De vrai. 9. T'es gentil ? Oui. Pour de vrai. Sky, je sais. Non, mais ça, c'est la traduction. Oui, en fait. Non. Tu vois, genre, au cas où. Je sais pas, tu vois. Zulu ? J'ai vraiment cru que c'était Olivier qui t'en masse quand il m'a donné deux. Je peux pas te dire pour l'instant, vraiment. Non, il est méchant. Je suis. Ouais, méchant. J'aurais trop aimé en mode. Oh là, je lui donne deux rouges. Non, mais non. Ça m'a dire depuis le début du créneau que tu sais pas mentir. Je mens très très mal quand je fais. Il est révèle le signe rouge. Ouais, j'ai. J'ai quand même eu un petit parce que quand j'ai posé ce je vais. Enfin, j'ai. Tu fais la merde ou pas ? Et du coup, Sky, t'avais eu quoi ? Deux bleus. Et toi, du coup, tu avais. Deux rouges. Hein ? Mais non. Non, j'avais une bleue et une rouge. Ok. T'avais quoi toi ? Bah deux rouges et une bleue. T'es sûr ? Oui. Okay. T'es sûr ? T'es sûr ? Bah oui. Que boit la vache ? T'as Sky, il a un problème à l'œil, il fait que des clins d'œil aujourd'hui. Non, mais c'est Valentie, elle me fait trop. Tu sais que tu m'as fait douter tout à l'heure parce que à moi je te regarde du coin de l'œil et tu parlais à Xary et puis tu disais que des clins d'œil. J'étais là. et j'ai regardé un peu plus longtemps et j'ai vu que c'était. Tu faisais à tout le monde. Elle est à l'envers, je pense. Et en fait, je suis pas le produit et si je la retourne, je meurs. Donc du coup, tant pis, je souffre. Dina, t'es gentil ? Allez, en gentil. Ah, au pire, tu me testes. Allons, gentil. Jusque-là, tu m'as jamais menti, mais attends, c'est. Et toi, je t'ai fait confiance tout à l'heure et ça va pas. Attends, on a pas voté là. Ah, ouais, on a pas voté. Oh le putsch. Oh le putsch. Le putsch. La bagne met ton nom. Je suis désolé. Bien non. Je suis désolé, je vais aller vite. Bah, ça va, Dina et moi, ça va. 3, 2, 1. Eh bah ouais. Faites chier. Ah, si, ça passe. Ça passe pas. Non, ça passe pas. Il y a 4-4. Bah ouais, bah fallait pas. T'as l'air content quand même. 4-4. Attends, alors qu'il a mis oui en plus. Vas-y pour toi. Vittel, pas tenter de yes. Vittel, je le garde. Vas-y, garde-le. Mais non, tu peux pas. Vittel, attends, Vittel, ah, si, t'es gentil. Oui, je suis chiant.
J'arrive pas à lire. Je suis Tijane de ouf. Je te crois. Donc on vote. Plus de musique. T'as commencé à faire un petit. Non. Non, je voulais juste prendre. Du coup, à mon avis, entre moi, je dirais. Attention, parce que tu ou pas. Au prochain, on n'a pas le choix. C'est Nems forcément. Putain, Zulu, il y est tout. 3, c'est ce bâtard. 2, 1, on se calme. Oula. Oui. Ah. Zulu, t'es gentil ou pas? Pourquoi tu mets non J'ai mis non pour. C'est bizarre. C'est vrai. Pour varier un petit peu les trucs. On a mis non en fait au tour d'avant, c'est ça? J'ai dit non aussi pour Vital, hein, tu vérifieras. Tu revérifieras. Tu revérifieras. Tu verras là-bas. Oh le bâtard. Oh non, non. Oh non, sérieux. J'ai une loi fasciste, je n'ai pas eu le choix. Ok, t'es un méchant en fait là, Olivier Ruffello. 3 rouges. Vraiment? Non, en vrai, je voulais pas dire parce que ça m'est arrivé aussi, j'étais gentil. Donc. C'est 2 plus 1, vraiment? Il sait ce que c'est. Est-ce que tu vois? J'avais vraiment 3 rouges. Okay. T'es comme ça en train de couler tout seul. Non, mais tu nommes. Qui veut? Moi. Pour moi, les méchants, c'est Beetle, Zulu et. Et Skyheart. Et je sais pas, le dernier. Ok, mais pourquoi? T'as dit quoi? Pour moi, les méchants, c'est Beetle, Zulu et je sais pas qui d'autre. Ouais, je suis assez d'accord pour l'instant. Ok, pourquoi? J'ai pas confirme de raison. Confirme et confirme. Je te trouve bizarre. Instinct. Tu ouvres beaucoup moins ta gueule que d'habitude. Ouais, c'est vrai. Tu fais beaucoup moins de strat, genre l'opium, c'est le rire du peuple. L'opium, c'est le rire du peuple. Il reste 13 minutes. Mais qui mélange tout. Du coup, c'est qui? C'est Nems. Nems Sky. Et tu Chancelier, du coup, c'est qui? Lui, c'est vrai, il est trop menteur. Et du coup, bah, c'est horrible parce que bah, du coup, t'as plus confiance. Je lui fais jamais. Je peux pas le garder. Je peux pas le garder. Non, mais c'est pas toi. C'est pas toi. Je pensais. Ah, il était resté là. Vas-y, mollo. Vu ta présidence de merde, c'est pas ma présidence, c'est chancelier. J'ai fait ce qu'a dit mon président. Toute la gouvernance, c'était de la merde. Ok, on y va du coup pour Nems et. Non, je mets non. Merci, désolé. Comme vous voulez. Ah, maintenant je suis président. Non, non, tu calmes. Mais non, je vais faire d'abord. Mais c'est Olivier, il va trop vite. Il a envie de brûler la gueule. J'ai pas envie d'avancer là. J'ai dit, convainc-moi, je suis vraiment gentil. J'ai le pouvoir pour attaquer quelqu'un. Non, vraiment. Je joue très différemment. Check-moi. Bah non, mais déjà. Attends, il y a pas de doigt. Attends, check-moi et tout, il y a pas de doigt rouge. Il veut déjà mettre une rouge. Ouais, je vais convaincre. Je pense que Xavier est gentil. Non, c'est quoi? Ouais, je pense que c'est ce jeu qui est basé sur faites-moi confiance, je suis gentil. Tu veux être chancelier, moi. Ok, bah non, vas-y, gentil ou pas. Oui, vas-y, c'est bon. Le jeu qui sera jamais chancelier. Jamais chancelier. Mais mettez-moi pas chancelier, frère. Mettez-moi pas chancelier. Ça ne passe pas. De salaud. Ça ne passe pas. Ah. Eh bah, tête de moi, je mets non. Mais non, mais pas non. L'alliance Sky. Tu m'as mis non sur moi-même, mais non. Mettez non. Non, mais c'est comme ça, je suis président. Mais non, mais tu sais quoi, c'est random. J'ai le droit, je te mets chancelier. Mais je m'en fous. Mais non, mais c'est random. C'est random si on met non là. Non, mais on va pas faire random. Arrête de faire les clins d'œil à Olivier là. Mais moi, ou Sky chancelier. Ou même le Xavier. C'est toi qui check un rôle. J'ai plus compte toi. Oui, mais sauf que là, ça va être random. Oui, c'est pas grave. Sauf que ça sera random. C'est random ou c'est pas. Ah, c'est pas de base un truc pour les fascistes? Non, c'est juste. Comme dans l'autre, comme dans. Tu prends ça et tu fais ça, mais du coup, qui fait le pouvoir? Ah, d'accord, il n'y a pas de président. C'est lui qui va faire le pouvoir. Genre, tu prends la première et tu fais boum. Oh, le despote. Non, mais t'es gentil, on peut encore voter, oui. Sauf que c'est lui qui fait le pouvoir. Juste un truc, il y a quand même un intérêt. Parce que du coup, si on fait ça, c'est-à-dire qu'il y a une carte qui est défaussée, c'est-à-dire qu'il restera qu'une seule carte à la fin. Et on aura du coup le contrôle de quasiment toutes les cartes. Donc on saura s'il y a un des présidents anti. Ouais, mais. Ouais, mais quasiment ça marche pas quoi. Mais qui tu veux pas là, dire, on va être quasiment sûr. Sauf que là, il y a plus de chances que ce soit une fasciste que ce soit. C'est un peu le début depuis tout à l'heure, frère. Donc, oui, bien sûr. Qui fait le pouvoir? En vrai, le président. Le président. Mais c'est qui le président? Du coup, c'est lui. C'est lui, mais si on met non. Bah, c'est quand même. Si on met quand même lui, non, tu deviens président et moi pour toi. Sinon, on fait deux fois au hasard. Là, comme ça, on est sûr. En vrai, là, il y a genre 40% de chances d'avoir une libération. Laissez-moi être président là pour la suite. Non, en fait, Sky, il veut vérifier si les gens mentent. Mais bien sûr que les gens mentent. Bien sûr, mais c'est pour ça que on va faire non, on va faire au pif, hein, ça va bien t'arranger parce que ça va être une fasciste. Et puis après, tu vas être là. Ok, bah là, je peux déduire que les gens ils ont menti. On le sait déjà, frère, je peux te le dire, les gens ils ont menti. Bon, allez, go. Il va mettre non, mais on est baisé. 2, 1, en même temps. Ouais, non, mais on est obligé de mettre ouais. Hein, donc, non, là, j'avais dit. T'avais dit moi, Beetle. Moi, en vrai, ça m'intéresse à sa strat. T'avais pas dit moi. J'avais rien dit en fait. À 50, mais frère, quand même. Ouais, de ouf, mec. Moi, c'est trop bien que tu me dises. Mais j'avais. Mais Xari, ça me barre, ouais. Moi j'ai voté pour Xari en fait. En fait on a commencé à faire son truc et. Non, moi si t'as dit garde-le et après t'as dit après Sky. C'est bon, on a voté pour refaire Xari, c'est ok. Ouais, mais Xari, ça prouve ma bonne foi. T'es gentil ou pas? Bon, alors. Ça prouve ma bonne foi ou pas? Oui. Oui, c'est une strat. Ça t'arrange peut-être bien aussi. C'est une strat masterclass. Regardez bien que je suis. J'ai pas menti. Ah! Elle est à l'envers celle-là, on peut pas la lire, c'est chiant. Il avait le choix pour. C'est l'article 402.
Ok, les gars, du coup, normalement, il reste 3 bleus. Tiens, moi, je te mets. Merci beaucoup. 3 blues. Mais Rivenzi, il a pas joué de la game. Allez. Bah, justement, on va éviter du coup. Attends, attends, je suis risqué, gros. J'ai pas. Pour l'instant, il a pas joué, ça a marché. Donc, on va peut-être pas le faire jouer. Bah, justement, voilà, c'est ça. Désolé pour toi, mais du coup, là, ça marche pas mal. On vient lui retirer son chèque. Quel plaisir. Donne ta sucette. Mais bien sûr que oui. Pourquoi, je te vengerai, Rivenzi. J'étais innocent et tu as bien mis la tête au fond du sol la dernière fois. Tu deviens un petit menteur, toi. Tu deviens un petit. Allez, 3, 2, 1, 0. C'est oui. Ah, t'as même mis oui. Rof, bon. Mais parce que t'as son moi. Toi, fais quelque chose. Moi, j'ai pas confiance en Sky Xari. Le duo là, ça me. Bon, en vrai, les stress. Tu veux que je mette quoi, président? Non mais. Tu veux que je mette quoi? Tu veux. Mais non, je veux que tu mettes une bleue. C'est même pour pouvoir. Mais j'en ai rien à foutre, on en a plus qu'une pour gagner. Par contre, t'as pas le droit de parler. Ouais, c'est vrai. Techniquement, oui. C'est sûr. J'allais mettre la libérale. Mais je me dis, dans un monde, t'as peut-être plus envie de voir. Là, on est quand même pas mal normalement. Bah là, ça devrait aller quand même. Là, si on gagne pas quand même. Ce qui est bon quand même, c'est deux joueurs là parce que bon. J'avoue que Zulu, par contre, j'ai vraiment un gros doute sur lui. Ouais, Zulu, j'ai pas confiance en toi. Non. Pour moi, Zulu, c'est. Tu peux le jouer alors. Mais, ouais. Mais le truc, c'est que si t'as un doute sur moi et que je suis gentil, c'est-à-dire qu'il y en a, y a un vrai autre qui est free à côté. Oui, mais. Non. Attends, absolument. Laissez-moi. Pardon. Qu'est-ce que t'as dit, Zulu? Excuse-moi, j'ai pas entendu ce que t'as dit. J'ai dit, je veux bien rentrer dans votre jeu et dire si t'as un doute sur moi, ne me fais pas jouer, machin. Mais du coup, ça laisse un slot de libre pour quelqu'un qui lui est gentil. Qui lui est méchant et avec ce pouvoir, on peut le checker. Donc, autant checker Zulu. Mais tu vas le checker de base, c'est débile ton plan. De quoi? Tu vas avoir un pouvoir de check s'il met un rouge, on est bien d'accord? Oui. Tu veux checker qui? Non, mais de toute façon, il y a Zulu. Mais ça sert à rien de check s'il y a Zulu, on a gagné. Tu l'auras déjà checké entre guillemets via les cartes que tu lui auras données. Oui. Mais comme ça, on sera sûr qu'ils sont méchants. Sûr deux fois. Non, allez, laisse tomber. Mais je vous demande, c'est pour ça que je fais pas le move tout seul. Et bah non, c'est un non. Mais check quelqu'un et check moi. Tu sais qu'il y a du bon là, tu mets juste là. Point. Mais je peux pas m'y arriver parce que t'es déjà là. Et bah là. Non, mais. Non, c'était président. Non, Olivier, mais Olivier. Mais moi, et comme ça, si jamais. Attends, Olivier. Attention. Moi, j'ai pas voté là. Non. Non, mais non, je vais tous les deux. Non, mais toi, t'es chancelier. Mais Olivier. Mais moi. Vas-y, mets Olivier. Olivier, on va Alors, check Olivier et check moi après. De toute façon, si je chatte et que lui il est gentil et que toi il est gentil. Il va juste dévoiler une libérale. Il va juste dévoiler une libérale. 2, Bitel, attends. 3, ok, t'es gentil. Zulu, c'est bon. C'est parti. Si t'as une libérale et que t'es gentil et que lui il est gentil, on a gagné. Mais ça fait beaucoup de si. Évidemment. Ça y est. Vas-y, montre-moi. Montre-moi. Non, montrez pas les cas. Montrez pas les cas. Non, t'as 3 fascistes. Jette. C'est étonnant. Jette. C'est horrible. Oh, il a 3 fascistes. Dommage. C'est énorme, les gars. Vas-y, check Zul maintenant. Mais Rivenzi. Check Zul. Je vous jure, vas-y, du coup, je peux checker ton. Attends. Est-ce qu'on vraiment check Zul? Non, check Zul. Check lui. Ouais, check Zul. Check toi toi-même et tu nous dis. Parce qu'on n'a pas confiance. Laisse-moi te checker. C'était la strat de départ, mais. Non, là, c'est. Est-ce que t'as pas envie de dire Zulu est forcément méchant et du coup je check quelqu'un d'autre? En fait, le problème, c'est que s'il fait ça, toute la partie, il va croire que je suis méchant alors que je suis gentil et va laisser en fait, un le problème c'est pas que lui soit méchant ou pas, c'est que lui, s'il est méchant, il nous baisse de toute façon. Après, je suis pas méchant. En vrai, check moi. Il est trop mignon. Et si il check, Zulu. Arrêtez. Et qu'il dit que Zulu est gentil alors qu'en fait il est méchant aussi. Bah oui, c'est ça. C'est pour ça, c'est en fait lui, vu qu'on sait pas, c'est chiant. Mais justement, check moi. Non, en vrai, check Zulu. Check moi et vous savez. Non, mais par contre, check Zulu, il est. On a déjà confiance, c'est bon. On va pas rajouter de la confiance. En fait, ça a déjà marché à plusieurs reprises. Donc, là, on a aucune info. Je vais juste te dire, ah bah oui, tu es gentil, Sky. Yves, check Zulu. Attends. Non, franchement, je pense que c'est mieux. On a un problème. C'est qu'en fait, si jamais on check Zulu et qu'on joue le tour de Zulu, on va forcément devoir jouer le tour de Dina, Vitel et Enems. Donc moi, je checkerai un de ces trois là pour pouvoir les skipper au maximum, tu vois. Parce qu'en gros, on sait que là, ça se passe bien. Moi, il reste 5 minutes. Okay. Vas-y, je vais checker Nems. Attends. C'est fait. Allez. Nems, ça marche pas. Pourquoi? Il a dit, je vais checker Nems, on avance. On avance. Vas-y. Attends, non, c'est. Ça me bat. Révèle pas que t'es Hitler. C'est parti, ouais. Il est quoi? Il est gentil. Très bien joué. Il est gentil. Allez, on joue. Je suis président. Du coup, il est gentil. Allez hop. Ah, attends, non, dans tous les cas, enfin, je prends pas de risque. Pardon. Mais t'as pas le droit de voter avant, de toute façon. T'as raison, regarde, je vais. 3, 2, 1. Juste. Ça marche pas. Choisissez, marche pas. Mais okay, on avance quoi. Sinon, on prend. En fait, là, le président, il a plus de pouvoir que le chancelier, parce que vu qu'il y a peu de libéral, il envoie une. On joue. Enfin. Enfin, il a dit. Attends, t'as pas joué tout à l'heure, justement. Tu sais que ces deux, ils sont bons. C'était. Mais ils ont cliqué. T'as joué avec lui?
Non, c'était Rivet. Rof, si. Bah, Rivet, toi. En fait, moi, en fait c'est ça. Les deux, c'était Rivet, moi. Rof, c'était Rivet, moi. Les deux, oui. Ou c'était Rivet, moi. Et Rof, je pense. D'accord. Tu peux pas être. Et okay. Moi, je. Sinon, tu, gentil, tu prends Rivenzi pour je suis le. Gentil, pour être sûr, non, il est président. Mais play avec Nems, on sait qui est gentil. Putain, on peut, tu peux pas être Rivenzi. Et après tu, vas, oui. après, tu donneras ta présidence. Non, mais. Elle a raison. Bah, je viens de... En vrai. Oui, ah oui. En fait, beaucoup de méchants quand même. Bah, les gens, mais moi gentils. Alors. Mais moi et on avance. Non, pas les gens. Mais on peut pas, on peut pas. Tu t'es en train de dire qu'ils sont tous les deux méchants. Au bout d'un moment, il faut avancer. Il nous reste 4 minutes. On peut pas. Il nous reste 4 minutes. T'étais avant en fait. C'est pour ça que j'en fous. On peut pas te prendre. Non, parce que j'ai pas voté. En tout, ouais. Je suis désolé, mais j'ai plus confiance en Lems qu'en toi en fait. Ça marche. En vrai, 3. Rive, c'est bon. Pour des raisons. 3, 2, 1. Révélé. C'est quoi cette strat, exactement? Je vais insulter des mamans si j'ai 3 rouges là encore. Oui, bien sûr. Parce que moi j'ai déjà eu 3 rouges juste, tout à l'heure. Juste Miss, après tu vas devoir choisir. Ah bah, pardon, c'est pas grave, on arrive. Bah... Il y en a au moins une. Non, il y a forcément une. Il peut pas y avoir 3, mais après ça augmente les probabilités, quoi, c'est dommage. Ah bah si. Non, il y en avait 3. Oui, mais il peut y avoir 3 rouges. Non, pas forcément. Il reste plus que 2. Il peut y avoir 3 rouges, mais il peut pas y avoir 3 bleus. C'est ça qu'on voulait dire. Dina, dis-nous. Tu choisis qui? Dis-nous, tu dois donner la présidence à quelqu'un pour un tour. Donc. Un des trois ici. Donne à moi et je prends chancelier un des deux comme tu veux, m'en fous. Donne pas à Vitek parce qu'il a déjà dit qu'il avait 3 rouges tout à l'heure alors que. Tu voulais que je sois chancelier, mais moi président. Attends, ça se veut rien dire gros. Bah si, parce que. De toute façon, j'ai toujours. T'es en train de sauter une marche là. Je peux pas faire autrement. Si c'est gentil, tu sais qu'il y a des. Mec, ça arrive. J'ai décidé de faire confiance à Nem. Mec, ça arrive. C'est là-dessus. Oui, chancelier. Bah les gars, vas-y, moi, vas-y, go, go. Mais ça veut. Elle fait confiance beaucoup à Nems et c'est très mauvais signe. Mais même s'il a été checké par Rive. De quoi c'est mauvais signe? Mais dans ce cas-là, ça veut dire que là, il y a 15 méchants, tu vois. Mais dans ce cas-là, ça veut dire que les 3, ils sont ensemble. D'où est-ce que toi, tu serais moins méchant que Nems? De mon avis, peut-être. Mais d'où tu sais que je suis méchant? Peut-être que Dina, Nems et Rivani sont ensemble et ils sont tous les 3 méchants. C'est possible. Du coup, ils sont en masterclass. Ils sont en masterclass, ils méritent de gagner. Et c'est pour ça que je suis méchant. Laissons la chance. Ok, faut trancher. S'il vous plaît, il reste 3 minutes, les gars. Xari. 3. Bah non. Mais. 2. Après ça passe à Bitel. Mettez vos tirs comme ça s'il vous plaît. Zul, Sky, c'est bon. Ça passe. J'ai pas confiance. Bon, en vrai le problème c'est que là si Nem c'est méchant on a perdu. Mais bon au moins ça va vite tu vois. Pourquoi vous avez mis non alors qu'on sait que Nem c'est gentil? Allez, mets la libérale. Oh c'est chaud putain. Allez. T'es sérieux? Ah là, le Xav. C'est un jeu. Let's go. T'as perdu, je pense, ouais. T'étais 100% méchant, je pense. Donc, c'est qui les méchants? Zoulou, t'étais méchant? Non. Bah, non, attends, non, je suis pas méchant. Bah, c'était Sky. Non, c'était vous deux là? Non. C'est. Non, 1, 2 et 3. J'étais méchant. Ouais, mais voilà. 2 et j'ai pas trop mal démerdé pour un méchant. C'est qui, Hitler, du coup? Eh, j'ai bon, on a pas perdu. C'était Sky, je pense. C'était. Et c'était Zoulou, Hitler, évidemment. C'est sûr, d'accord. T'as failli check Hitler, j'étais là en mode. Bah, si, check, on a perdu. Non, parce qu'en fait, il check le. Il sait que je suis fasciste. Ouais, il sait juste qu'il est fasciste. Mais Zoulou, il joue trop différemment. Le step up dans le mensonge, je suis très content. Non, mais t'es essayé de mettre 4 fois, c'est trop cramel. Si il te met 4 fois, moi j'étais en mode non, mais non, mais non. Ouais, mais en fait, c'était risqué, mais fallait tenter quoi. Alors, je confirme. En fait, j'aurais dû. Tu me l'aurais passé en mode ouais, on fait l'alliance gentille, machin, je vote Nems. Et il y avait quoi quand. Attends, du coup, c'est toi qui révèles les cartes? Ouais. Il y avait. Est-ce qu'il y avait 2 rouges, 1 bleu ou pas? Ouais. Ah, donc en fait, on aurait pu. La roue libre, on rajoute. On a fini là en débrief. Par contre, je confirme, c'est quasiment impossible de gagner tant qu'il n'y a pas genre. Genre des méchants, genre Sky, Zul, enfin tous les mecs qui parlent. En fait, ça n'aurait rien changé parce qu'en fait, l'Alter F a voté une voix fasciste. Ouais. Et. C'était trop tard, t'aurais perdu le chancelier, t'aurais pas gagné. Moi c'était fini, en haut t'étais pas bien. En gros, si toi, je t'avais mis toi, en président. Si jamais tu mettais une double fasciste, après... Mais double fasciste, elle était là. En fait, si je me mettais en président, je mettais Nems en chancelier. Je récupérais 2 plus 1, je lui disais, oh, pas de chance, mais couille, ok. On allait ici, je tuais un gentil, genre toi je pense. Que tu es le gentil. Je pense qu'on serait jamais allé au bout. Et on dit ah machin, c'est pas lui Hitler, ok très bien. Et au bout d'un moment, ça aurait pu passer. En tout cas, ça aurait plus pu passer que là où. Ouais, t'as vrai que là, tu es du Sky. Non mais je dis pas que c'était joué. Après, il y a juste un truc qui était sûr, c'est que jamais Zulu aurait été chantonné. Mais alors jamais. Oui, mais on pouvait encore gagner. Jamais. Mais c'est si flagrant que ça. Ah mais là pour le coup, mec. Mais non. C'était un peu différent. T'as totalement changé. Moi j'avais moins confiance. En fait, au tout début peut-être, mais après du coup mon image était niquée. Au début, tu t'en foutais, puis après ton image était gentille. Parce qu'après j'ai essayé de parler un peu plus. J'ai même insisté pour qu'il me check et tout. Et en mode bon bah c'est high risk high reward quoi. Mais non mais c'était mort. Tour 1
j'avais des gros doutes sur les. Mais par contre, j'avais très peur que vous soyez tous les deux méchants et qu'il te check, il fait. Oui, gentil. Ouais, sauf que j'étais. Mais sauf que j'étais au fond et j'ai encore pioché 3 rouges, j'étais là. Vas-y, c'est trop, ouais. Bref, c'était Skylar, un jeu qui est difficile à trouver en boutique spécialisée. On peut le revoir avec Amazon. Allez, avec sur Amazon. Sur Amazon pour le pas coup, cher. Il y est. La semaine prochaine, on le rappelle, rendez-vous, c'est jeudi à 14h30 pour un loup-garou classique, mais avec des éditions, c'est ça? Enfin, avec des extensions. Alors, on verra si on le fait ça maintenant ou pas, ou plus tard. Mais oui, en tout cas, c'est une possibilité, mais peut-être qu'on garde ça pour des special events. Ah, ok. Donc, en tout cas loup-garou normal, à voir s'il y aura les extensions. Pas désolé pour mon œil, je sais que mon œil est tout rouge, je sais que je passe un peu pour un zombie. Ah, t'as pas envie de me pécho? Je te répondais, mais. C'est le summer. Suivi les gars, tous les jeudis, vous nous retrouvez maintenant tous les jeudis à 14h30 et en plateau tous les vendredis 14h30. Merci à vous d'avoir suivi, c'était cool. Bravo à vous, c'était en tout cas un véritable plaisir de jouer encore cool avec vous. C'était un bon jeu. C'est quoi tout de suite, Rizzo? Mettez-nous. Les fascistes n'ont pas gagné. C'est du dur, ouais. Alors, mettez-nous en description les variantes potentielles que vous auriez sur le Secret Hitler si vous avez des variantes potentielles, des variantes qui ont été testées, pas les trucs un petit peu, mais voilà, vous avez trouvé un site qui propose des variantes et tout, ça me tient très bien d'essayer ça. Et n'hésitez pas si vous avez d'autres jeux également, un peu comme Salem qu'on a découvert récemment. Ouais. Ça ferait très plaisir. Tout de suite, c'est le journal du hardware. On vous laisse en tout cas avec eux. Merci beaucoup d'avoir suivi. Vous étiez encore plus de 3000 à suivre l'émission tout le long. Donc merci infiniment. À bientôt. Ciao. Ciao. Au revoir.